Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mensonges et Trahison. Désolé pour les bugs Twitch. Twitch a quelques galères. On a Zankyo qui nous fait le plaisir d'être là. Merci à toi. Dis-nous souvent, on était trois. Donc, non, j'avoue qu'ils étaient trois. J'étais en mode, c'était soit ça, soit je rentrais chez moi. J'étais en mode, bon bah vas-y, on va tester ça. Bah, c'est cool. T'es un shérif, mec. T'es un shérif. Je dors mille nos serveurs. Je te filerai toute ma thune, mec. J'espère que je vais vite comprendre et tout. Parce que vous allez l'air de connaître. Mais tu verras, le jeu est vraiment simple. C'est un jeu qu'on a fait quand même beaucoup de fois sur le stream, pour être honnête. C'est un peu le jeu d'épingle quand on n'est pas beaucoup, en gros. On est avec Zulu, on est avec Xav. Alors, comment fonctionne le jeu? Le jeu, c'est. Je vais expliquer à Zank et aussi à vous si vous ne connaissez pas. En gros, il y a un shérif et en gros, c'est une sorte de douane. Okay. Ça, c'est une pochette dans laquelle on va pouvoir mettre des marchandises. Sauf qu'il y aura des marchandises légales et d'autres moins légales, quoi. Et le but, c'est quand tu passes tes marchandises légales ou pas légales, tu dis aux marchandises, tu déclares, écoute, shérif, Xari, j'ai mis trois pains, quoi. Okay. En vrai, ça se trouve, t'as mis trois arbalètes, quoi. Le pain, c'est légal. Il n'y a pas une technique illégale de faire du pain illégaux, en quoi, mais ouais, c'est légal. Il y a quelques pains illégaux, mais tu verras ça. Et du coup, imaginons, il te croit pas. Et il va te dire, je vérifie ton contenu de ta besace. Okay. En gros, il fouille ton chariot, quoi. Et si t'es full légal, il paye de la thune parce qu'il a de la doute de toi. Et si t'as menti, par contre, là, tu te fais éclater. Mais t'as le droit de passer la douane sans que quelqu'un te. Bah, justement, c'est. T'as le droit de marchander avec lui. En gros, le shérif, il veut dire, t'as quoi? Et toi, tu fais, j'ai ça. Et le shérif, il peut faire. Moi, je sais pas mentir, vous allez me griller direct. Arrête, c'est pas toi, mec, qui bait à chaque fois tous les. C'est toi qui bait les mentalistes. C'est toi qui bait le meilleur. Parce que je crois que je suis teubé, du coup, ils arrivent pas à me mentaliser. C'est juste t'es trop fort. Chiffre entre 1 et 3. T'es juste trop fort. 2. C'était 1. Ah, c'était pas une, je pense. En fait, ouais, tu vois, Zankyo, les cartes, on va les tirer ici. Il y a les cartes vertes qui sont les cartes qui sont legit. Donc, ça peut être des pommes, ça peut être des coques, ça peut être. Enfin, des coques, des poulets, bien sûr. Je sais que. Enfin, bref. Ça peut être du pain, ça peut être du fromage. Et en fait, chaque carte, ils ont deux valeurs sur elle. La valeur au-dessus, qui est la valeur. Ça, c'est légal. Oui. Comment ça, c'est légal. Ça, c'est illégal. Voilà. Exactement. Rouge, c'est légal. Vert, c'est légal, donc tu pourras la faire passer. À savoir que tu peux mettre dans ta besace seulement des cartes de. Tu peux, comment dire, annoncer un seul type. Ouais. Tu peux pas dire j'ai deux pommes et trois fromages. C'est soit que des pommes, soit que des fromages. Après, tu peux annoncer ça et avoir un mix à l'intérieur. Comme par contre, Zulu, il aime bien mettre. T'as le droit de tricher et de mettre un mix. Par contre, si tu te fais contrôler, tu vas avoir une pénalité sur toutes les marchandises illégales. Donc c'est-à-dire que soit que t'as pas annoncé, soit qui sont rouges. Cette pénalité est inscrite ici. Donc là, c'est 2. Donc là, tu devras donner 2 au shérif. Si tu te fais gauler avec une pomme, tu devras donner 2 au shérif. Seulement, si c'est des marchandises de contrebande, eh ben, au lieu de payer 2, tu vas payer 4 parce que c'est normal. Et en plus de ça, tu la perds. C'est pas légal. Et en plus de ça, tu la perds. Donc tu gagnes même pas les 7. Ah oui. Donc c'est énorme. Ça fait très mal. C'est énorme. Dans le tas, il y a des cartes qui ont des effets. Par exemple, ici, les pommes golden qui rapportent 6. Tu dois donner 4 si tu te fais coffrer. Par contre, la pomme, elle vaut 3 pommes à la fin de la partie. C'est-à-dire que devant toi, tu as un plateau. Le plateau, il est juste ici. Et à la fin de la partie, on va comptabiliser le joueur. On va comptabiliser. J'ai l'impression qu'il n'est pas teubé. Hein. Mais je trouve que vous avez beaucoup d'infos, tu vois. On va comptabiliser le joueur qui a le plus de pommes. Le joueur qui a le plus de pommes va prendre 20 pièces d'or. Donc les pièces d'or, c'est les points de victoire à la fin de la partie. Le deuxième va prendre 10. Ensuite, on va regarder les pains. Les autres 3 gars. Ça, c'est limite, c'est les fins de round. À chaque fois, on se restack. C'est la fin du jeu. C'est le bonus total de ce que tu vas gagner. En gros, tu seras le roi des pommes, touchera 20 balles. Okay. La reine. Il y a des trucs plus wars du coup. Enfin, genre, j'imagine des. Mais le truc, tu vois, par exemple, les pommes, c'est 20 quand t'as le maximum. Mais chaque tour, 20 le maximum. Non, pas forcément, justement. Mais chaque pomme, justement, rapporte pas beaucoup. Alors que les poulets, ça rapporte pas beaucoup quand t'es maximum. Mais chaque poulet rapporte 4, tu vois. Donc, du coup, en fait, c'est à peu près équilibré. Et les cartes en fait, de contrebande qui ont un effet, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, te permettent, étant donné que quand tu passes à contrebande, plutôt que montrer la marchandise que tu as passée, c'est-à-dire quand tu passes un fromage, tu le mets à côté de tous tes fromages, et du coup, tous les joueurs peuvent voir que, par exemple, moi j'ai un fromage, toi t'en as 3, tout ça, mais la marchandise de contrebande, tu la montres pas. Tu la mets en dessous, comme ça, et les gens, ils peuvent pas savoir, et ça te permet à la fin de la partie de clutch et de prendre, prendre le match. Non, mais je pense qu'il me faut un petit round de visu. Quoi. De fond bout. Si t'annonces 5 fromages et que par exemple tu as mis 3 pommes et 2 fromages, les 3 pommes,
quand tu te fais contrôler, tu payes et en plus, elle, tu ne les as pas, tu ne les récupères pas. Après, il n'est pas obligé de me griller, mais bon, logiquement, oui, voilà, logiquement si, quoi. Enfin, bah, non, de toute façon, tu vas pas me laisser passer, quoi. Alors, on va chacun jouer le shérif l'un après l'autre. Okay. Et en fait, la seule mécanique du jeu qui va permettre au shérif d'essayer d'évaluer si tu mens ou pas, c'est la phase de marché. C'est-à-dire, admettons, ça va être Sky le shérif. La phase de marché va être faite par tous les marchands, donc tous ceux qui ne sont pas shérifs, donc nous trois. Et on aura 6 cartes en main. Et la phase de marché, c'est que tu vas pouvoir défausser des cartes qui ne te sont pas utiles et en récupérer soit dans le paquet ici, donc en mode sur inconnu, gauche, droite, mais caché, tu ouais. sais pas ce que tu prends, soit sur les hauts des défausses qui sont à droite et à gauche du paquet. T'es obligé de les prendre. Je peux quand même me fournir sur ça. Voilà. T'es obligé de les prendre la première carte en premier, la deuxième, machin et tout. Et du coup, ça montre au shérif que là, par exemple, j'ai défaussé 3 et j'ai pris 2 pommes et un fromage. Et ensuite, je prends les 3 cartes que j'ai défaussées et je les remets soit dans la pile de gauche, soit dans la pile de droite, dans l'ordre de mon choix. Ouais. Ok. Voilà. Et c'est le. Ah, parce qu'il y a un ordre, du coup, limite, c'est tactique après, j'imagine. Bon, moi, je pense que je vais pas aller jusque-là. Le cœur du jeu, c'est vraiment le mensonge. Et si jamais, imagine, Xary me gaule que je suis un peu un gars qui se met bien, quoi, il va me dire, bah, écoute, je te prends 20. Et moi, je vais dire, bah, non, gros, 17. Tu peux soudoyer les mecs, quoi. Ouais, tu peux soudoyer les mecs. Et à savoir que si jamais tu. Du coup, tu ne bluffes pas, imaginons, tu as 5 pommes et tu as vraiment 5 pommes. Il va te payer 10, donc 2 par pomme. En fait, la valeur qui va te, la valeur verte, il va te la payer, en fait. C'est lui qui te la paye. Okay. Et le chiffre, le shérif, quand il paye pour toi, il te met bien quand même. Hein. Donc avoir des fois des 5 trucs et faire croire que t'as menti, ça peut être pas mal. Donc là, ton talent de mensonge. Et en vrai, t'es un bon menteur. Je suis sûr que t'es un bon menteur. Non, je pense pas. Si. Non, je pense que t'es un excellent menteur. Moi, tous mes potes le savent. Genre, en vrai, je sais pas mentir. Genre, c'est incroyable. Je pense que tu peux zoomer sur les cartes ici. Parce que je pense que t'es un bien meilleur menteur que tu crois. Moi ouais. Non, franchement, c'est incroyable. Ah, quoi que, on peut mettre comme ça en fait. Je suis nul à chier. Moi, je suis nul. Laisse comme ça. Ok, on a chacun 6 cartes en main. Je peux les checker du coup. Ouais, tu peux garder tes cartes. Là, tu check. Qui veut jouer en premier, shérif? J'ai que 5 cartes par contre, bro. Ah non, c'est la 6ème peut-être. Ouais, 6. Okay. Bah vas-y, commence au pire zoulonnant. Ouais. Alors, à savoir. J'ai juste changé celle-là, bro, parce que je l'ai montré en fait, je croyais que c'était pas mal. Tu ne peux mettre que 5 cartes dans ta besace. Tu peux pas mettre toute ta main. Donc là, je besace quand là, en clair. Il y a un round particulier là, pour en fait, besace. Là, c'est la phase, c'est simple. C'est d'abord la phase du marché. Okay. Donc on va échanger les cartes. Chacun pioche, machin. Voilà, chacun son tour. Je commence. Vas-y, vas-y. On fait un Zimbabwe pour ça? Non, vas-y, je suis shérif. Okay, comment ça, c'est plus simple. Ok, je suis shérif. En gros, tu vois, j'ai ma main, au pire, je te la montre, je m'en fous, c'est pas très important. Ma main, c'est ça, tu vois. Et je vais essayer d'évaluer, en gros, qu'est-ce que là-dedans, qu'est-ce qui peut m'intéresser, tu vois. Ok, parmi ça, par exemple, si tu peux te faire un trade. Imagine, quoi. Par exemple, tu prévois de ce tour-là faire un tour safe et t'as besoin de pain. Bah, tu peux, par exemple, mettre enlever 3 et prendre ces 3. Ah, par exemple, moi, c'est ce que je vais faire là. Par exemple, tu vois, je vais jeter ces 3-là et je vais prendre ces 2-là pour pouvoir prendre les pains qui sont ici, tu vois. Alors, là, j'ai une pomme qui fait chier. La mécanique, c'est que tu défausses d'abord tes cartes face cachée, ensuite tu prends et ensuite tu remets. Ouais, okay. C'est du détail, mais c'est bon, Ok, donc là, je prends les 3. Et là après je dispose moi mes trucs tu vois. Imaginons je veux cacher le coq, bah je mets le coq en premier. Okay. Derrière je mets une pomme qui sert peut-être pas à grand chose. Et derrière je mets une arbalète pour bloquer les mecs pour pas qu'ils puissent les prendre. Ok. Et du coup j'ai fini mon tour, j'ai 6 cartes en main. Il m'a vu que j'ai pris 2 pains. Et je peux par exemple lui dire après lui faire bluff, ouais j'ai 5 pains alors qu'en vrai j'en ai que 2 tu vois. Exact, ça c'est bien joué. Ça commence ça. Ça c'est bien joué. Là c'est ce que t'as, c'est ce... Et si je veux, je suis pas obligé de défausser en clair. Non, tu peux garder, ta main si tu veux. Je peux regarder ouais. Mais t'as le droit de prendre ici aussi au pif s'il y a des trucs qui t'intéressent pas. Tu peux dire je défausse 2 et je prends 2. Ah ouais, mais c'est le premier que je peux prendre, c'est ça? Bah le premier... D'abord ou... celui-là... Après, ouais. C'est dans l'ordre, quoi. C'est, après, tu peux en prendre une ici et 2 là, tu vois, par exemple. Mais, Vas-y, j'ai envie de tester avec ce que j'ai sur moi. Je sens, il est motif. Ouais, j'ai envie de garder, mais autant c'est rincé, je sais pas. Tu peux peut-être en jeter une, tu peux peut-être en jeter une et prendre une là, si tu veux. Enfin, t'es pas obligé de... C'est comme de, tu veux. Tu peux prendre... Enfin, si tu veux pas qu'il sache que t'as, tu vois. Si tu peux, je peux en lâcher une, là? Ouais, tu peux en lâcher une et tu prends et je la pose une là. Là pour l'instant tu l'as juste la défausse. Tu la poses tranquille. Prends et après tu prends un truc. Tu prends la pomme. Tu prends la pomme. Ouais, je prends et la pomme. Ça, okay. Tu veux le mettre là ou là? Là ouais. Ok. Frometon. Ah mais parfait. Voilà un bon frometon pour vous. je vais défausser 2. Je vais prendre un fromage ici et je vais prendre ici. En... Ouais, parfait. Et du coup je lâche une pomme et une chiasse hydromel. Là ensuite on passe à la phase du remplissage de la besace. Donc là, tu dois faire ton tour, tu dois par exemple, imagine là, je pose toutes mes cartes sauf une et je dis à Zulu, bah j'ai 5 pommes. Donc c'est un peu con parce que j'ai lâché une pomme, donc ça sera pas ça, mais... Okay. Et là, après, tout le monde fait ça. Et après, Zulu, il va contrôler ou pas, quoi. Il va dire, ah ouais, Xary, t'as 5 pommes, vraiment, bah viens voir ta besace, sale chien. Ok. Mais j'ai pas 5 pommes, moi, donc...
Alors, du coup, ah bah t'as pas encore joué, Sky. Mm-hmm. Sky, il fait trop le mec, pas d'embrouille et tout, alors qu'il va bien faire passer de la contrebande là. Parce que bon, Sky, il a défaussé une arbalète, mais je sais que c'est du bluff, hein, Sky. Et l'arbalète, du coup, tu peux t'en servir pour quoi ? C'est juste pour contrer. Pour éviter, non, l'arbalète, c'est la contrebande qui vaut le plus cher. C'est une contrebande aussi, c'est le maximum. En fait, il y a des les contrebandes, elles coûtent toutes un prix. Ah oui, 4, non, mais oui, oui. Mais par j'ai contre, vu ça, j'ai vu ça. Pareil, par exemple, genre l'arbalète, c'est vraiment rentable. L'arbalète, c'est la plus rentable. Okay. Enfin, c'est la plus, celle qui est plus rentable. Après, il faut arriver à la faire passer. Moi, je l'ai défaussé parce que je suis un mec honnête. Oui, ça se trouve, t'en avais deux. Quoi ? T'en avais peut-être deux. Non. Il fait genre l'abruti. En vrai, jouer que les cartes vertes, c'est rentable. Oui, ah ouais, regarde comment il mangue avec quel enfoiré. En vrai, c'est gagné qu'avec des cartes vertes. Donc Sky, c'est bon. Sans que t'as mis dans ta besace. Non, je peux. Ouais, mets dans ta besace. Sachant que tu n'as pas le droit de mentir sur le nombre. T'as pas le droit de dire j'ai le droit de mettre combien de cartes au max, autant que je veux. Sauf 5 max. 5. Saute pas toute ta main, mais 5, ouais. Ok, ma besace est prête. Ok. Donc là, maintenant, bah t'annonces. Enfin, on annonce dans l'ordre. Sky, t'as mis quoi dans ta besace? Ah. Attends, j'ai une idée. J'ai une idée de ce qu'on peut leur conseiller pour le bug de Twitch. Peut-être changer de serveur au lieu d'être en EU, passer. Ça peut être malin, tu vois. Peut-être, ouais. Ah, tu veux dire nous? Ouais. En live? Ouais. Essaye même de mettre au pire NA ou n'importe quoi, tu vois. Voir. On peut essayer, tu vois. Ça peut être un test, tu vois. Bon, bah moi j'ai mis 4 pains, comme prévu, quoi. Ok. Toi, t'as mis quoi? Des pommes. Parce ouais, que tu dois te dire. J'en ai mis 4, j'ai mis 4 pommes parce que je suis un gros grailleur. Pareil, ouais, bien joué. Toi aussi? Ouais. 4 pommes? Bah, moi 4 pommes. 4 pains, 4 pommes et moi 4 fromages. Non, mais les gars, mais vous me prenez pour un jambon, quoi. Un jambon de quoi? De Bayonne. Tu veux prendre pour un jambon de Bayonne? Y'a pas de jambon, je suis désolé. Moi j'ai le pain, par contre, pour aller avec si tu veux. Non, mais c'est un jeu. Toi, tu dis 4 pains, toi 4 pommes et toi 4 frometons. Eh ouais, mon pote. Non, mais là, les gars, mais. Tu veux peut-être ouvrir? Bon. Moi, je pense qu'il a raison. Est-ce que quelqu'un veut se repentir et avouer voilà, une petite contrebande contre un petit pot de vin? Moi, non. Autant faire du bénéfice. J'ai l'impression que Xav est peut-être bien loti. Autant partir sur un truc gagnant-gagnant. J'ai une contrebande. J'ai un fromage, mais c'est un fromage de qualité, quoi. Dans les quatre, je vais pas te mentir. Ok, écoute, t'es indulgent. Tu me dis que t'as une contrebande et t'en as peut-être plus, certainement plus. Peut-être, mais... Tu me donnes 4 et ça passe. 4 pour le fromage. Oui, c'est rentable. Il doit avoir un truc massacre. Le fromage. Go, what the fuck? Il rapporte 3 fromages, c'est rentable. Ouais, ok. Bah, okay, okay. Je prends acte de ton annonce et de ton argent et je te laisserai donc passer. Merci. Mon cher Xavier. Sky. Bon, rien à cirer. Toi, rien du tout. J'ai juste une question. Sinon, on met par exemple. 3 fromages et une pomme. La pomme qui est contrebande, elle est face cachée ou elle est face ouverte? Non, c'est face ouverte. Forcément, on est sûr de ça ou pas? Oui, sûr. Okay. Bah non, mais moi, je suis honnête. Hein. Enfin, vraiment. Mais essaie de brailler juste pour que non, tu loues. Vraiment honnête. Et que tu payes 8. Je suis vraiment honnête. Ouais, tu vas payer 8. Hein, donc. Ah, t'as risqué payer. Sky, quoi. Je pense qu'il joue les cartes vertes. Bien sûr. Ah non, mais non, mais vraiment. Non mais je te mentirais pas. Azul. Ouais. Force ton rire encore une fois, tu verras, je vais m'énerver. Non mais. Je vais m'énerver, attention. Si tu l'ouvres, c'est dans le best-of. Ça non, vraiment. Ça passe. Donc, ok. Parfait. Ça passe. Zankyo. Toi, c'est 4 pommes, tu m'as dit. C'est la petite pomme, moi. Ouais, t'as un petit un verger de pommes, ça s'appelle comme ça? Ouais, j'ai un petit verger, voilà. Un petit verger, ouais. Très belle verge. Moi, de base, je suis du sud, donc tu sais, j'aime bien avoir mes petits hectares chez moi. Voilà, je cultive un peu tout ce qui est pommes. J'avais de la golden aussi, mais là, c'est de la pomme verte. Voilà. Ok. Il y a pas de marchandise de contrebande. La pomme verte, c'est... Pardon? De contrebande? Non, absolument pas. Ah, non, je suis ça... bah, non. Moi, j'en vois bien une là. J'en vois bien. C'est que de la pomme? Ah, mais moi, je suis juste ouvrier en fait. Donc. Non, mais. Je veux bien te laisser passer une contrebande, mais ah pas non, plus. Ah non, il y a absolument aucune contrebande. Il n'y en a pas, frère. Alors, à savoir que si je l'ouvre, si je déclipse ça, c'est acté, je l'ouvre et je revenir en arrière. Allez-y, monsieur. C'est vrai. Ah oui. Non, je l'ai feinté, là, j'ai feinté le non, bruit. Tu l'as fait. Ouais, attention. Ah, il n'y a pas de pression, mec. Ah, elle résiste bien, c'est peut-être un signe. Je sais pas. Oh, c'est ouvert. Oh, c'est ouvert. Attention. Hein?
T'as pas le droit de mentir sur le nombre. T'as pas le droit de mentir sur. Je pensais qu'on pouvait. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon bah t'as deux c'est pommes. Ouais, bah... Mais t'avais quatre pommes ou pas dans tes mains Non, mais je voulais, comme vous tout à l'heure, lui j'ai vu ses cartes, je croyais qu'il bluffait son truc et que non, chacun avait le droit de bluffer. T'as le droit de bluffer, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ok, bon on va dire c'était le premier round. J'avais deux pommes. Allez, vas-y, je te paye 4 moi. Ouais, non mais qui me les donne pas non. Si, c'est bon, t'inquiète. Okay, tu l'as douillé. Non, c'est ma faute. J'avoue, désolé. Il a fait comme ça Zoulou, c'est en mode j'allais sortir. Mais par contre, mec, mais c'est non, j'avais pas ouais, je pense. Non, mais c'est pas grave. Mets quoi ? Ça là. Mets-le là. Ça là ? Non, c'était pas assez clair, je pense. Ça c'est ton étal en fait. Ah, okay. Je pense que c'était des pommes cerises. En fait, tu peux pas mentir sur le nombre de cartes que tu mets dans la besace. Sinon ce serait trop facile, tu dis j'ai une pomme et en fait ouais, t'as mais bon, vu qu'il y a tout le temps ce truc de vérification et que genre... Non mais parce que si, ça serait trop facile parce que en gros si tu dis par exemple j'ai 5 pommes, c'est beaucoup plus entre guillemets suspect que de dire j'ai une pomme, ou deux pommes. Et donc du coup tu pourrais bluffer la contrebande. Du coup Sky tu le contrôles ou pas? Non je contrôle pas. Donc on finit le tour. Il s'est bien ralas. Non, tu mens, tu mens. 100% tu mens. J'ai pas été... 100% tu mens. Ok. Non. Non, mais en vrai, c'est pas fou. T'as combien de cartes? 3. J'ai un pain, en fait. J'avais dit que j'avais un pain, je crois. Un 4 quarts. Je crois que j'ai dit 4 quarts. C'est du beau pain, quoi. Moi, j'avais 0 fromage. Oui, d'accord. Parce que ça, tu m'as dit, tout ce qui est contrebande et tout, on est obligé de tout le temps les cacher, là. J'avais 4 contre. C'est ça? Oui. Tout. Ouais, et ouais. C'est pour ça que quand je t'ai dit 4, t'as fait, on va peut-être y aller pour 4. Putain. J'avais 4 contrebande et 0. Ah ouais, moi aussi, je peux poser. Mais la dernière partie, Sky, il a joué aucune contrebande, je crois. Et c'est pour ça que... Il est vrai, je l'ai kidnappé. Oh ah pour le best-of. Moi, j'ai vraiment 4 contrebande, par contre. I'm an honest guy. I'm definitely an honest guy. Ok. Alors, il y a aussi un peu de RNG dans le sens où des fois, t'as envie de jouer du vert mais t'as que du rouge et des fois t'as envie de jouer du rouge mais t'as que du vert quoi. Ouais. Donc ensuite on refile, vous pouvez refiler votre main. Ouais. Il faut qu'on ait combien de cartes tu m'as dit au max? 6. Alors un coup là je crois. Ouais, je sais ce que je fais. Pour éviter en gros d'être trop stacké quoi. Hop là. Ensuite c'est Skyheart qui passe shérif. Putain tu m'as fait transpirer gros. Avec ça tu m'as fait transpirer. C'était pour rien. Et on peut jouer, vous pouvez strater messieurs. Je pense qu'il y a un élément, j'ai envie de vous redemander un autre truc. Vas-y, tout ce qui est contrebande, lui j'ai demandé. Lui par exemple, toi là t'as caché des trucs, donc ça je sais que c'est de la contrebande. Mais, je sais pas ce que c'est exactement. En fait le truc c'est que... Donc ça... moi là, si admettons j'en ai, est-ce que je suis obligé de les mettre aussi face cachée? On est d'accord? En fait le but de ça c'est déjà de pas savoir combien j'ai de points ici et surtout de savoir si j'ai par exemple un pain spécial ou autre. Non, moi j'ai quelques contrebandes. La contrebande c'est que celle que tu fais passer par la besace. Mais ça j'ai fait passer par la besace. J'ai dit que j'avais 4 fromages, j'avais 0 fromage en fait. C'est ça ouais. Ça c'est de la triche. Bon là on sait que t'as 3 contrebandes dans la main. Mais sinon il remet dans sa main. Non, c'est bon. On sait que t'as 4 contrebandes. C'est pas de la contrebande, c'est. Repioche ta main si tu veux, bro. Repioche ta main. Non mais t'as le droit de faire la phase de marché. Fais 6 cartes. J'aurais pas trop d'infos, t'inquiète. Je les viens. Au pire, tu sais quoi, tu regardes les 6 que tu ne vois pas et si tu pas. Les 6 tu regardes les anciennes. Ouais. Vas-y. Fais ta main. Choisis ta main c'est entre quoi les 12 cartes. Ouais, voilà, c'est ça. Choisis ta main. Tu regardes celle-là ou celle-là et tu prends celle que tu veux. Voilà. Ah ouais. Ouais, vas-y. Ah, vous êtes gentil. Bah, t'as jamais joué. Ouais, il y a quelques problèmes de co hein, sur Twitch, on est désolé. Apparemment, vous pouvez en gros regarder la. Tu sais, vous allez sur les vidéos et vous cliquez sur la rediff celle-là du jour et vous juste vous aurez de retard sur le live, mais il n'y aura pas de lag quoi. En vrai, c'est pas con. Donc voilà, vous pouvez. Mais Xari, t'es un hacker. Non, c'est juste un mec sur le chat qui a dit ça, j'ai dit oui. Il y aura plus de joueurs du coup, mais. Bah. Ouais, mais bon. Ouais. Les mecs partent donc de toute façon. Mais du coup, en région, on peut pas relancer sur un serveur différent? Rizzo est pas d'accord? Ok. D'accord, merde. Non, c'est hop là, donc ça. C'est un peu con. Ouais, désolé, t'as quel bro? Non, t'as quel bro? Pas grave. C'est zéro grave. Par contre, je vérifie juste qu'au début, on a 50 pièces. Oui, c'est ça, je crois. Je l'ai vu tout à l'heure. Donc, phase de marché. Tu peux faire ta phase de marché si tu veux. Zenko. Ok, phase de marché. Du coup, t'as gardé quel paquet? Celui qui m'a fait toi. Le nouveau. Ouais, le nouveau. Okay. Phase de marché. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais t'ai-je? Tiens, donne-moi une pièce de 20. S'il faut donner des pièces de 50. Je peux virer ça. Ça, je peux poser, hein, Zoul. Ouais, tu poses. Ouais. Moi, je vire un truc et je prends ça. Ouais, ok, ça. C'est ça. C'est exactement ça. Tiens. Attends, il passait quoi? Parce que moi, j'ai pris des chats. T'as enlevé un pain pour prendre un pain? Il faut donner des pièces de 5 pains. Non, j'ai pris de la soie.
Ok, ok, d'accord. Okay, okay. Donne-moi une carte de vin, je fais la monnaie. Ah, d'accord. Ok, j'étais là. Je serais pas con à ce point. Il a pris un pain. Des fois, je suis teubé, mais ça va. Il a fait quoi, j'ai pas vu. Il a posé un pain, il a pris un pain. Non, il a pris une soie. Il a pris une soie. Ouais. Ah, c'est rouge ça. Ah, c'est rouge, on est d'accord. T'as acheté qu'une carte. T'as acheté qu'un pain et t'as pris une soie. Ouais, cher. Ouais, donc tu me respectes pas, quoi. Moi, je ne fais rien dans le marché. Tu ne fais rien. Ah, ouais, tu fais rien. Mec, t'es un non-market. Mais t'as que deux cartes là ? Non, elles sont déjà dans la besace. Ah, t'es déjà en besace ? Moi là, je peux préparer ma besace en fait pendant ce temps-là. Ouais, bien sûr. Hop là. Lui, regarde. Il est en mode, c'est sûr. Donc moi, je prends un hydromel et une pomme. Oui, bah oui. J'ai besoin des pommes. Oui, bien sûr. J'ai besoin. Mais montre-moi pas ta main du coup. Un hydromel de pomme en fait. Et je dépose. Mais là, t'as mis que trois cartes. Ouais. Et je dépose ça. Oui, c'est bon. I got it in my pocket. J'ai 7 contrebandes. Ok. Sky, lui, souvent, il dit passer autant de contrebandes que vous voulez, mais ralassez-moi. Ouais. Ouais. Moi une bonne strat, c'est genre mettez la blinde et filez-moi la moitié. Oh, au pire, lui se met bien, quoi. Qu'il se met bien sur 3 personnes. Donc. Bah, c'est pas mal. Du coup, ça va, quoi. En vrai, c'est assez rentable, ouais. Et j'ai jamais contrôlé. Genre à chaque fois ils disaient ouais tu veux nous contrôler pour nous baiser, mais en vrai je le fais jamais. Je préfère être honnête et... Je préfère grappiller de la thune. Ouais, en vrai. Bah dis-moi mon ami, Zul. Alors moi je passe des pommes, monsieur. Ah, combien ? Au nombre de 4 cagettes, monsieur. C'est la saison des tartes aux pommes. Que 8 points. Comment ? Que 8 points. Ouais, j'avais une mauvaise draw, j'étais obligé. Étonnant, parce que vous avez quand même du fromage et du pain, il y avait du fromage et du pain, donc je trouve ça quand même bizarre, mais... Ouais, c'est vrai, mais si vous comptez bien, le compte n'y était pas. Prends pour un con, lui. Moi, je suis boulanger aujourd'hui. Boulanger de métier. La boulange, j'ai 5 pains. Du bon pain, sa mère. Vous aviez 4 cartes de base, vous en avez repris une en plus. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait un pain qui se baladait, je l'ai pris en plus, quoi. Et vous avez fait 4 pains et vous avez pas pensé à prendre les pains de base. C'est quand même étonnant, vous me prenez pour un con, hein, monsieur Xari. Mais très bien, à vous, monsieur Zankyo. Moi, c'est 3 cagettes de pommes. Ah. Moi, je suis très très pomme. C'est bien tout la saison, hein. C'est quand même con, c'est qu'il y a que 16 pommes et du coup on en a 3, donc 5, 6. Exactement, il n'y en a pas du tout que 16. Ah, il y en a beaucoup plus. Attends, je vais vous dire pour 32, je crois. Mais il y a un nombre limité par contre. Alors il y a beaucoup moins de. Il y a plus de pommes que de fromage pain et que de. Donc pommes, je l'ai bien ressenti, ouais. Pommes, il y en a 48. Ah ouais, d'accord. Fromage, il y en a 36. Pain, il y en a 36 aussi, et poulet, il y en a que 24. Ouais, poulet, donc par exemple, quand t'as vu qu'il y a à peu près 10 poulets sur la map, 10 poulets qui sont là, et un mec qui dit j'ai 5 poulets, bon. Ah, mais Xari, arrangeons-nous. Je pense que nous avons fort à faire entre nous. Nous avons fort à faire. Ouais. Non. Ah. En fait, à 3 joueurs, normalement, on joue pas avec les pains. Mais on est à 4 du coup. Allez hop. on est 3 plus 1. Freeze on mine. Mais pourtant, moi je vous compte, vous êtes 3, non? Non, mais moi Sky, c'est bon, hein, je suis un bon boulange. Ok. Stratégie. Bah non, mais je vais vérifier quand même. Okay. Allez voir les autres, non. Bah dites-moi, pas de proposer un prix intéressant et. Une pièce. Bah donnez-moi alors, c'est pas grave. Allons plus vite. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon, je suis un bon boulanger. Je suis sûr, il est full blindax là-dedans. T'es un bon boulanger. Attends, ou pas? Tu peux mettre combien de cartes au maximum? Après, tu mets 5 dedans, 5. Osef, si tu fais passer du pain et du fromage en même temps, c'est juste dois payer, quoi. C'est bon alors, du coup? Ouais, bah vas-y. Il a un peu de pain. Oh là là! Oh, j'ai vu du rouge! J'ai vu du rouge! Quel fils de pute! Ah, il a que du pain ce bâtard! Ah, c'est que du pain! Il a que des pains, enculé! J'ai vu aussi, en fait, vraiment plus. Mais what? Non! Il me dégoûte! Oh, mais what? J'ai fou jeté. Sky, il a fait un comme ça, je fais pain, 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 pain. Non, mais après, ils sont pas mélangés, les gars! J'avais mis les 4 pains déjà de base, et après, j'ai fait, oh bah, un autre pain! C'est 5 pains. Oh, bâtard! Oh, dur! Yes. Je suis en sueur, bien joué à vous, monsieur. Je pensais que t'aurais au moins un peu de fromage. Well played. Du bon pain, monsieur. À vous, monsieur. À lui, pas. Ah, moi, 4 cagettes de pommes, monsieur. Bah écoutez, comme je suis quand même dans le mal, donc je pense que je vais. Il va regarder. Je suis au lit, hein, donc. Vous allez pauvrir. Je joue dans 3 secondes. Hein. Comment? Je joue dans 3 secondes. Hein. Non, 4 cagettes de pommes, moi j'ai rien d'autre à déclarer. Assez. Vous allez pas vous faire du mal. Vous allez pas vous faire du mal, vous allez me donner des. Moi, je sais pas en fait. En fait, je
crois que je me mind game moi-même, je crois. Je pense qu'il a rien, mais vas-y, Joseph. Oh là là, aïe aïe aïe, quelle erreur. Quelle erreur. Putain, l'homme des voilà. Ça, c'est le tour de Sky, là. Voilà, là, je suis dans la merde, je vais pas te mentir. Il va foutre le contrôle. Bah, je vais peut-être contrôler au final. Bah, vas-y, vas-y, mais prends-toi quelques pommes. Qui t'a réglé, qui t'a donné de la thune. Putain, ça sent le bac. Allez, messieurs, régalez-vous. Le tour horrible. Ça, je le mets là, ouais. Sacré bénef, Sky. Ouais, pas mal. Je vais pas te mentir que quand j'ai ouvert Xari, je me suis dit, bon, ma game est quand même mal compromise. Tournoline. Et tout ça, c'est à moi les thunes là? Non, c'est pas à moi ça, si. Si, si. C'est à moi ça? De base, ouais. On a 50. 50, ouais. Je suis bien ralasse. De base, j'ai 20. Bon, maintenant, Zang, c'est à toi de faire le cheer-up. C'est moi le shérif? Ouais. Ok, donc répétez-moi ce que je dois dire. Non, de base, là, tu refiles tes cartes. T'avais moi, je redonne pommes. Tout là, j'en ai 3. Non, 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 garde-les. Ouais. Celle-là, tu les gardes et tu repioches jusqu'à en avoir 6. Donc, tu pioches 1, 1, 1. Moi, j'ai déjà pioché, donc. Ah oui, hop. Après, quand je dis, comme je dis, c'est une RNG dans le sens où c'était peu probable que j'ai 5 pains, tu vois. Et du coup, Sky, forcément, ça le baise un peu plus parce que j'ai chaté. C'est pas grave. Oui, non, mais pour expliquer aux gens, genre, j'ai pas spécialement bien joué, j'ai juste chaté. En vrai, t'as bien joué quand même parce que de prendre le pain en retard en plus. Non, mais j'avais vraiment pas vu par contre parce qu'en fait, c'est lui qui l'a vu. Okay. Et j'étais en mode. Bah ouais, de base, j'ai viré le pain pour prendre des pommes en plus. Mais en vrai, c'était quand même bien joué. Okay. Moi, je me suis dit, bon, il me prend quand même pour un débile. Quoi. Oh, je vais prendre un petit pain. Bah moi, Zang, j'ai 5 pains. Non, je rigole. Attends, faire la phase de marché. Phase de marche. Phase de market, phase place. Phase market. March, march, march. Bah c'est moi qui commence du coup la phase de marche. Ouais. Je vais enlever... Attends, il s'est mis combien de pains, lui? Je vais faire ça, je vais prendre ça et ça. Régale-toi. Ok, donc on est toujours sur... Ouf. Alors monsieur le contrebandier, là? Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça contrebande. J'avais que des pains. Après, c'est bien. T'avais que des rouges, quoi, du coup. Non, mais là, j'ai remis. J'ai mis deux rouges et un pain. Mais genre, j'ai encore pioché du pain, quoi. En fait, c'est hyper intelligent de mettre que des rouges, là. Fin, bah, en fait, modo, quoi. Là, quand tu vois qu'un mec prend deux rouges, bon, tu sais que le mec, il va vouloir te carotte next. Soit il veut quoi. De carotte, soit vraiment, il a que du vert dans sa main, quoi. C'est à toi, du coup. À toi, ouais. Pour ta phase de marché, Zul. Grosse phase, hein, on sait. Bah, ouais, mais il a cover tous les trucs, quoi. Bah, ouais, c'est mon but, en fait, ça y est. Et prends l'arbal. Prends une petite arbalète. Ah, il va le faire, on peut. Après, Zulu, c'est le type. Alors, il faut savoir que le jeu s'arrête dès que tout le monde a été deux fois shérif. Oui. Ok. Donc là, par exemple, moi, c'est ma première. Voilà, il y a 8 tours en tout, en gros. Ok. Exactement. Je veux pas faire de phase de marché. Oh, d'accord. Oh, bien joué, ça. Bah, écoutez, quant à moi. Je pense que c'est en contrebande, ce mec. T'as vu la gueule que t'as, non? Ouais, je me suis vu, ouais. Une sacrée gueule de ça refonctionne bien là, apparemment. Vous avez fait un truc ou pas? Oui, ils t'ont entendu. Ouais, bah, écoutez, moi je. Non, ça a l'air. Le pire shérif. Moi je vais poser quelques pommes. Ouais? Attends, je vais passer c'est plus tard. C'est d'abord. Je vais peut-être prendre ça. Peut-être mon hasard. Il va full au lit des contrebandes. Prends ça. Qui a déjà gagné en full contrebande? Ça. Non, j'ai pas gagné moi. Non. La dernière fois, souvent, la bonne astuce, c'est de jouer les c'est cartes. C'est les verts. Ouais. En fait, te prends un surplus de. En vrai, les meilleures contrebandes, c'est celles qui, en fait, qui font des poulets, des fromages ou des pommes. Oui. Parce que en gros, ça fait des points et en plus, ça te permet des fois de dépasser un mec. Quoi. Alors, on défausse de la pomme, monsieur. Oh ouais, bah la pomme, ouais, c'est pas. Je suis pas trop pomme. Ouais, t'es skié, ouais, t'es plus ça, trop. Ah, gros, il a posé six. Toutes ses pommes. J'ai posé 3 pommes. 3 pommes et ouais, c'est impossible. Si, si. 1, 2. 1, 2, il en a qu'à l'une. Là, il y en a déjà une. Je suis pas très pomme, moi. Attends, mais comment tu fais pour défausser cette pomme-là en dessous du pain? Bah, j'ai défaussé un pain aussi. Ah, mais en tout cas, il a défoncé combien de cartes? 4 cartes. Ouais, ok. Oui, c'est que j'étais en mode. J'ai cru qu'il faisait un memory, t'es en mode, bah là, il y a une pomme, du coup, je la mets là. Ok, phase de marché terminée. Ouais. Toi, le fond bout. 5 promptons. Non, prompton. Mais ça va aussi, arrête un peu. 5 promptons. Non, arrête un peu. Oh, je le crois. Zul. Fromage. Toi, tu as un fond bout, toi. Moi? Est-ce que... Moi? Toi, y'a pas d'idée. Mets là. Trois fromages, là. Ah non, je
me suis trompé de chariot. Il y a pas eu. Non, il y a pas eu une seule négociation. Alors le fourbeau. Monsieur Zoul. Mais qu'est-ce que c'est ça, mais Monsieur Zoul? Mais c'est, en fait, c'est le chariot de mon frangin. Ouais. Combien je peux lui demander là? 12. À boule 12, bouffon. C'était le chariot de mon frangin. Le tour à moins 12. Mais gros, il a pas pris pour sa pute aussi. Il a mis une arbalète, il a calé quoi après? Aïe. Ouïe. Non, ça c'est Monsieur Skyhart. Bon, alors moi, je déclare 5 fromages, mais je vais pas vous mentir que sur les 5 fromages, il y en a 4 qui sont pas des fromages. 4. Oh, il le dit, ça veut dire qu'il y en a 5. Il y a quand même. Mais le truc, c'est que lui, il connaît les strates, donc ça veut dire qu'il sait. En gros, pour pas que tu sois baisé, il faut juste que tu te dises. Que par exemple, on va dire que la moyenne c'est 7. En gros, si tu me contrôles, tu vas gagner 16. La moyenne c'est 7. La moyenne que ça vaut, c'est selon 7. Selon ce que tu dis, en fait. Voilà, c'est ça. Et en gros, la moyenne c'est 7. Donc ça veut dire que bah, tu fais le calcul. Si tu en enlèves un truc, ça fait un différentiel techniquement de 11. Quoi. Bon, en tous les cas, monsieur Skyhart. En gros, imaginons j'en ai 5. Là, il y en a 4. Mais imaginons j'en ai 5. Ça fait. Quel enculé. Si j'en ai 4, ça veut dire que tu gagnes 20. Je te file 25. C'est tu peux augmenter, je pense. Moi, je vais prendre 35. Il a pas 35. Parce que sans faire le mec, je vois la taille des cartes, là, frère, mais ça a l'air. Écoutez, j'ai un problème. Oh, c'est Thibaut Inquiète dans le truc, là. Écoutez, j'ai un problème, c'est que je n'ai plus que 26 euros. Par contre, il y a un autre truc, c'est que tu peux. J'ai plus que 26 pièces. Tu peux exiger aussi des trucs qui sont dans l'étal. T'as le droit de dire. Je vais vous vérifier de manière normale, monsieur Skyhart. Je pense que. Je vais. écoutez, je peux peut-être partir parce que. Je peux pas vous mentir que ma game est quand même compliquée. J'avoue que t'es en fait, vu que t'as lu, il est juste à dire bah, je propose pour que vous vous mettiez vraiment bien. Oui. Là, vous avez gagné 16. Je propose que vous prenez 26 et un pain. C'est quand même 28. C'est quand même, ça okay, fait pas ça mal. Ok, ça se prend. T'as réussi à dégoûter. Le tour de ouf, quand même. Bah, ça met bien. Bah, okay, après, ça le remet un peu. Parce que j'avoue qui cette besace, là c'est... Bah, c'est juste que ça te met pas Game Over. Parce que là, j'avoue, si j'ai zéro et pas de carte, tu es quand même pas bien. Tu merdes les rails. C'est quand même un peu la dureté. Allez, quoi. 5 contrebandes. Allez, bon, t'as chaté les 5 ? 5 contrebandes, quand même. Oui, quand même, 5 contrebandes. Oui, bon. Il y a un fromage. 5 x 7, ouais, ça j'ai fait, pas menti. Ça va, c'est quand même rentable pour Skype, même s'il est quand même dans la tête. En vrai, t'as un gros tour de zinc, quand même. Sympa, ouais. C'est bon pour moi. Ouais, c'est bon pour vous, ouais. En vrai, c'est pas ouf pour moi. Lui, je pense qu'il m'a pas brillé. De points. Rah, la lecture non. Parfaite. Non, j'avais quand même un petit pain. Ok, ça passe. Je suis désolé. J'avais 4 fromages. Ça va. Je vais passer un petit pain. Il a passé un petit pain. Parce que Xari, je pense connaître un peu l'homme. 1, 2. Toi, par contre. Attends. Mais Osef, ça change. Attends, justement. Mais ça change rien. Mais comme ça, on panache. Mais du coup, là, avec la carte que j'ai récupérée en plus de Sky, je suis à 7 cartes. Moi, c'est pas gênant, du coup. J'ai le droit d'avoir une extra carte. Voilà, je la pose. Ouais, voilà, direct. C'était quoi que tu m'avais fini? Un pain. Oui, là, le pain, c'est direct. C'est là, là. Bah, c'est pas un fromage. Ah, mais non. Bon, c'est pas grave, vous savez que j'ai un fromage. Bon, je suis le Cheerife pour ce tour. En même temps, le pain, il est coupé pareil que le fromage. J'avoue. En vrai, vraiment, en plus. Ok. C'est à qui ? Phase de marché, Zoulou commence. C'est à moi de commencer ? Je pense qu'on va repartir dans le droit chemin. Hein. Ça n'a pas été très... Bah ouais, monsieur en aussi. En plus, il a tenté le brain en mode... Vous prenez des risques. J'ai pas besoin de faire de phase de marché, j'ai que des pommes. Hop. Tu prends deux pommes. Oh, oui, t'es... Vas-y. Oh, bah je la mets là. Là ? Y'a quoi, là ? T'es dans le droit chemin ? Je repars dans le droit chemin. Putain. Putain! Mais mec! Sky, c'est à toi, phase de market. Yes. Bah écoutez, tout à fait. Tout à fait! Tu veux prendre du poivre et de l'hydromel peut-être? Non. Un peu de poivre, monsieur? Non, je préfère l'arbalète. Moi, d'ailleurs, il a passé l'arbalète, hein, le chien. C'est vrai qu'il l'a passé. Je vais poser. L'arbalète à 9, hein, Sky! C'est vrai qu'il a prendre. Combien c'est l'arbalète? Ça là, 9? Ouais. En vrai, dans son malheur, il a eu de la chance parce que s'il avait joué hors 40 pièces, t'aurais pu exiger 40 pièces, gros. Ouais, mais ça ne pouvait pas. En vrai, j'avais même pas. Ça m'a remporté moins de 40. Donc en vrai, pour moi, c'était. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était plus rentable pour moi. Il pouvait baisser ta game techniquement, tu vois. En vrai, j'aurais payé 20, quoi. Ouais. C'était pire pour moi de gagner 0 que de perdre 20, quoi. Oui. Quoique, non, bah non. Non, du coup, non. Non, mais si t'avais contrôlé, t'aurais dû lui payer. Oui, 12, j'aurais été 16. Oui, j'étais mort. Oui. Non, t'aurais dû lui payer 20. 20 étant usé aux cartes. Ça aurait été terrible, ça aurait été terminé. Alors, oula, on se jette beaucoup de verre là, Sky. Non, mais. T'as récupéré où là? Ouais. Un peu partout. Rien qui m'intéressait dans les contrebandes. Enfin, je suis pas un contrebandier. T'as vraiment récupéré là, ouais. Ouais, j'aime pas les contrebandes, moi. Je suis un mec, un honest guy.
Vas-y, c'est la zone. Bah, pas de phase de marché pour moi, écoutez. Ah ouais, bah, ouais. Besacé, messieurs. Très très bien pour c'est moi. Besacé. C'est besacé. Bah, vas-y, dis-nous, alors, dis-nous pendant que l'autre. Trois fromages, monsieur. Les trois fromages de tout à l'heure ou les trois faux fromages? Non, les trois vrais fromages que je devais passer tout à l'heure, je les ai passés maintenant. Monsieur le shérif de Nottingham. Cam. Je besace. Besacé. Voilà, monsieur. Sky, quoi, t'as mis quoi là? T'as moi, mis que deux? J'ai mis que trois. Ouais. Trois quoi? Il sait pas. Trois coques. C'est bizarre, c'est écrit poulet sur la carte. C'est... Est-ce que t'aurais vraiment une carte? Écoutez, c'est pas trois coques. Trois coques, bah trois coques, je vais contrôler du coup. Parce que trois coques, non mais. Ça n'est. Non. Attends, que j'ai mis que j'ai... Non, parce que. De trois poivres. Non, moi c'est du fromton. Combien? Deux. Bah, c'est pour mon père et ma mère. Deux, c'est tout? Ouais, bah j'avais pas beaucoup. Bah, tu sais, champagne de. En vrai, ça coûte. Champagne d'inspi. Ça coûte bah, que 4 de contrôler, mais deux, ça me semble peu. Tu veux que je contrôle? Bah, comme tu veux, mais je pense que tu devrais quand même contrôler parce que je suis quand même. Psychologie inversée. Je pense que tu devrais. Je reviendrai vers toi plus tard. Ça dépend de mes finances en contrôlant peut-être Zoul. Oh, moi, tu peux y aller. Zoul, il a essayé de me brain, il a dit. Zoul a dit être repenti. Il a dit qu'il allait revenir dans le droit chemin, mais est-ce qu'il a fait ça pour faire croire qu'il a pioché fait, il a vraiment fait. Il j'ai a pas vu. Il a quand même. Si, là, là, je il a quand même là. Mis deux contrebandes. Est-ce qu'il il a mis poivre et hydromel. Contrebande. Ah, j'ai presque tenté de le croire. Sky, t'as choisi les maths. Quoi, trois poulets? Bien joué, ouais. À toi. Poulet. Trois poulets, ça coûte pareil les poulets, okay, au pire. Tu veux que j'ouvre Sky ou pas? Ou c'est chiant? Ça va. Ça va. Sky va falloir arrêter un peu. Je vais pas te mentir que je peux pas vraiment te payer, donc je peux pas prendre le risque en fait. C'est compliqué quoi. Oh, je pense qu'il est con s'il a mis la contrebande. C'est vrai qu'il est obligé de payer en fortune. Après, c'est une bonne excuse pour passer la contrebande. Attends, en vrai, comment tu fais? Quand mais genre oui parce que là en clair le shérif peut te victimiser. Là si je te prends, imagine t'as trois contrebandes, ah, tu fais quoi? Tu me payes comment? Il peut te filer une contrebande sans te dire laquelle quoi. Ah non mais non. Parce que ah oui là-dedans. Celle ah. que t'as. Attends. Le shérif inspecte votre besace. Si vous avez dit la vérité, si vous avez menti. Si vous n'avez plus d'argent, c'est jamais arrivé. Hein. Pas de thunes. Si vous n'avez plus rien. On commence à 50 d'heures. Ouais. Au pire contrôle, hein. Au pire. Non mais il a commencé à 50 d'or, mais il a juste plus rien en fait. Attends, se retrouver à court d'argent. Ah nice. Nanana. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de payer une pénalité, vous devez donner au joueur à qui vous la devez des cartes marchandises de votre étal d'une valeur égale ou supérieure au montant de votre dette. Sauf que là, si t'as genre mis 3 contrebandes, tu peux même pas payer. Bah là, il peut pas en fait. T'as détruit le jeu, mec. Si vous ne possédez plus cette marchandise légale, vous devez révéler une carte contrebande et la remettre au joueur. Ouais. Si t'as tout épuisé, si t'as plus... t'es considéré comme étant tellement pauvre que t'as payé tes dettes. C'est bon. Non, c'est vraiment le chien. C'est en fait. T'es vraiment le sous-chien. T'as mis que 3 trucs? Ouais, 3 trucs. 3 coques. 3 coques. Ah, ça me coûte que 6. Ça me coûte que 6 d'aller le vérifier. Je pense que c'est quand même worse. Allez, je vais contrôler. C'est quoi? Attends, on fait un truc. On fait un truc. À mon tour, je te laisse passer quoi qu'il arrive. C'est ouais, quand même pas mal. Le problème, c'est que là, je te prendrai 5. Non, mais je pourrais mettre 5 contrebandes. Eh, ça va te faire gagner. Hein. Après, t'auras pas forcément les contrebandes. Mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Franchement, dans tous les jeux, est-ce que j'ai menti une seule fois sur ce genre de truc? Ok. Jamais. Vas-y, allez. Oh vas-y, là là, le deal de non, mais c'est vrai, vas-y, c'est vrai, vas-y, je mens. 3 contrebandes. Oui, effectivement, je pouvais pas les payer. Oui. Oh, écoutez, aujourd'hui je ne contrôle personne. Oh, bien joué! En vrai, t'as bien fait parce que. T'as bien fait. Bah, ouf. Bah, non, bah, lui, c'est toi, c'était sûr. Tu passes. Ouais, c'est cadeau. Il a 8 contrebandes. GR. Par contre, mets comme ça. Ah, dans le. Ouais, ça, c'est un pain. Désolé, c'est juste que je me perds un peu avec mes sous. Y'a aucun souci. Toi, t'as passé quoi du coup? Non, c'est bon. C'est 3 fromages? 3 fromages. Ouais, j'ai cru en ta repentant. I am an honnête guy. Non, c'est à lui d'être shérif. Mais oui, c'est à toi. Mais c'est vrai de marcher par. Ouais, ça honest guy. Okay. Quoi? Guy. Okay. Vous pouvez faire votre phase de marché, messieurs. Bien sûr. Ouais, oh là là, on va tenter la full contrebande. Non, pas du tout. Bah, non. Bah vous allez voir, je suis vraiment extrêmement honnête, puisque du coup, je pose cette contrebande derrière un fronton, je cache le fronton et je cache évidemment la pomme. Oh, la méga pomme. Y a pas de souci. Hein. Ah non. Pas de souci. T'as fait la phase de marché? Ouais. T'as pris quoi? Ouais. Je viens de récupérer 2 cartes là de base. Ah oui, mais là maintenant, phase de marché. Et phase de marché. Qu'est-ce qu'il y a qui peut. Ouah, petit. Ouah. Tiens, un peu de pain là, ouais. Ok.
Vas-y, régale-toi. Ouais, c'est pas mal, ouais, de mon côté, ouais. Xari. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'il a pris ? Qu'est-ce qu'il a pris ? J'ai posé 4. Alors, qu'est-ce qu'il avait en main ? Ouh, il avait de la pommasse. De la petite il pommasse. Il avait de la petite pommasse. Hydromel aussi, il me sort. Alors, je vous laisse... mettre vos marchandises et les déclarer, messieurs. C'est le moment. C'est maintenant. Sky ? Oui ? Que déclares-tu ? 4 poulets. 4 poulets. 4 poulets. Regardez comment il fait semblant. Genre oh, mais j'oublie le mot. Du coup, ça voudrait dire que j'ai pas la carte. Quoi, genre, c'est... Non. Ah, non, c'est juste j'ai bugué. Ouais. Pas moi. 20 ans de métier, monsieur. 20 ans de métier. J'ai du flair. Peut-être du double leveling. J'ai du flair. Il a eu du flair. J'ai du flair. Zank ? 4 pommes. Ouais, toi, tu vas me donner ça tout de suite. Plein le bouffon. oh là là. En vrai, j'ai pas vu ce que t'as pris, toi, Zank. J'ai pas vu ce que t'as pris. Non, mais je pense que c'est con que tu me vérifies, moi, alors qu'il y a plein de délinquants autour, quoi. alors oui. En première intention. C'est de la délation. Jari ? 4 pommes. Toi, 4 pains, là. Il est suspect, oui. Ce mec. Vas-y. C'est probable. Bah, en fait... Tiens. Si il garde... Ouvre. Bah, vérifie tout le monde. Hein. Si, baise-moi. Si il garde ses contrebandes pour toi, c'est... Ah ouais, il m'a dit tout passe, donc... Zank, t'es quelle couleur ? Vert, toi, Zank ? Ouais, c'est ça, ouais. Attends, t'as passé aucune contrebande. Ah, mais mec, moi je suis... Safe. Safe, en fait. En première intention. Ce serait une erreur. Ah, oh, c'est une erreur. C'est ouvert. Ah, il a perdu 8 de thunes. C'est con, tu vas devoir me payer encore, gros. Offre-moi du verre, salaud ! Putain, comment t'as autant de pommes, toi ? Bah, les pommes, bah, je t'ai dit, j'ai un verger. T'en as 5, 4. Je te donne combien ? Énorme verger. 8. 8. Énorme verger. La boule, là, tu... verger. Des petites carottes, là, non ? Ça fait que ça, vas-y, ça. Ouvre. 4 pains, toi ? Ouais. En prenant au pif, comme ça. Non, non, attends. J'ai pris au pif comme ça, mais j'ai pris un pain aussi, ici. Et j'avais 2 cartes, déjà, dans la main. Moi je vous explique ma strat. En fait j'avais 3 coques le tour d'avant. Et j'ai hésité avec monsieur à mettre les coques ou pas. Et je me suis dit monsieur vous êtes plus digne de confiance. Et donc du coup j'ai voulu passer Excuse-moi j'ai vraiment rechaté de prendre une foule rouge. Et j'ai du coup eu mes... Là y'a quoi ? 4 coques Non mais... Pas dit 3 ? Je force. T'avais pas dit 3 ? 4. Ah non, 4. J'avoue que j'ai eu tellement de pommes. T'as pris que au pif ou t'as... J'ai pris... Que là. Et du coup, j'ai eu un coq, j'en avais déjà 3. Non, je pense que tu forces pour que je te contrôle. Non. Je pense que j'en avais déjà 3 et j'ai eu un 4e. Après, tu peux lui donner de l'argent, il en a pas. Hein. Je pense que c'est des coqs. De toute façon, c'est des coqs. Zari. Vas-y, contrôle. C'est mytho. Tu serais en pas fait, passé, mon frère, je te le dis. Je me dis, ce serait pas de jouer de mettre des contrebandes là-dedans, quoi. Bah oui. Quand tu veux que je te montre, j'ai une petite arbalète. Mais c'est ça. Salut Sky. T'aimes pas. Non, tu viens de laisser. Y'a du bon pain ou y'a du pain un peu rassis ? Non, c'est du bon pain, je te jure. C'est... Le pain rassis, t'es là, bah, monsieur. C'est du bon pain, le pain rassis déjà là. Gros. Vas-y, ça passe là. Allez hop, 4 contrebandes. Non. Non. Il y en a bien une petite quand même. Non, j'avais un petit pain ici. Oh, un petit fromage en plus du pain. On joue safe, on... Oh, bien. Oh, il avait 4. Ah, mais lui, il avait vraiment du coq. En 4 ouais. Attends, déclaré 4. Ah, ouais. Okay. J'ai cru que c'était 3, donc. Là, Sky, il va me baiser. Il va me foutre le contrôle. Je n'ai qu'une parole. T'as qu'une parole Bah, phase de refill. J'ai qu'une parole, mais ouais. elle peut changer quand même. Ah, ouais, ça va coûter 40, quoi. jusqu'à 6. Ok. Well, it's about me. Alors, c'est à qui ? C'est... Attends, j'ai plus que... J'ai 7 cartes. Et bah, c'est la dernière. Enlève la dernière. J'enlève. Mais là, en dessous. C'est vraiment la dernière. C'est à Zank de commencer la phase de Shemar. Phase de Shemar. Phase de Shemar. Ah, t'es bon. Phase de Shemar. Par contre, Zank, il est riche en pièces, hein, ce chien. C'est ça, je fais comme au poker. Tu sais, je fais bluff, je suis chaud. Tiens, sale chien. Foiré de merde. Non, honnêtement, je vais garder ce que j'ai, ouais. Ok. Moi, je vais lâcher un petit coq. Et je vais prendre une petite soie. Bah monsieur. Bah dis donc. Mais qu'est-ce que vous allez faire de cette soie, monsieur? Tranquille. C'est bon, c'est tout. Qui est le shérif? C'est moi. Très bien. C'est moi. T'as fait ta phase de marché ou pas, Zenk? Ouais, c'est à toi, là. Merde.
Vous pouvez aller, monsieur, du moment que vous me ralassiez, parce que je suis un peu pauvre. Pas vous mentir que les temps sont durs. L'argent n'est plus légion. Non, les temps sont durs. Après quoi, t'as pris qu'une carte ? Petite patate. Je suis une petite patate. Oh ouais, t'as tous les pains du monde, toi. Non, mais lui, il est vraiment ralasse. T'es vraiment le roi des pains. Mais même en même temps, vraiment le boulanger. Ouais, j'avoue. En fait, en vrai, c'est trop bizarre. Pain fromage. J'ai pioché des pommes et j'ai pioché zéro coq, zéro poulet. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de full win. Moi, j'ai fait une strat pomme. Hein, genre, okay. En vrai, c'est pas mal parce que les pommes, ça rapporte pas. J'avais le quart de mon essence. Moi, j'ai 3 pommes. 3 pommes ? Ouais. Je vous ai dit pour 5, ça régale. Et c'est pas 3 pommes. 5, t'es quoi ? Oui, ma besace. J'ai 1 de monnaie, je te donne 6. Il a limité la casse quand même, Xari. Je vois ma besace, toi. Je vous dis, je n'ai que le troll. Voleur de buzz. Merci pour les 6. De besace. Par contre, là, j'ai plus de parole, du coup, pour Alors, Zelou. Alors, Zelou. Écoutez, moi, vous voyez, dans ma collection, je collectionne les pommes. Ouais. C'est bizarre que tu ne sois pas allé chercher celle-là, là. C'est moi qui dis des trucs impossibles. Ouais, mais je peux pas. Je sais. Non, j'ai vraiment 5 pommes. Genre. 5 pommes ? Ouais. 5 pommes. C'est beaucoup 5, hein, parce que là, j'en compte déjà 30. 5 pommes. Ouais. 5 pommes. Et là, ce qu'il est en train de faire. Oh ouais, le problème c'est qu'il y a trop de piles. Tu vois. Mais tu sais que la dernière fois on a joué avec Kamel et deux fois de suite il a dit 5 poulets et il a eu deux fois de suite 5 poulets. Oh, ah ouais, ah ouais. Tu peux avoir 5 poulets. C'est extrêmement peu probable. Deux fois de suite, mais deux fois mon tour de shérif. D'accord, ok. Je t'ai dit bon, ça va. Deux fois de suite c'est quasi improbable quoi. Genre. Il m'a totalement enculé, j'étais en mode bah yes. Il passait des cartes sur la table ou quoi ? Non. Ouais, il connaissait pas le jeu, c'est la première fois qu'il jouait. Putain. Je crois que c'est... Ah si, c'est Kamel qui a gagné. On a joué avec Coteil et Étoile et Kamel, il a full win. Ok, à toi. 3 fromages. Zank, j'ai l'impression qu'il est... Zank, tu me donnes 2, je te laisse passer, quoi que t'es dans la besace. Ouais mon frère. Zank était là. J'étais en bic. T'étais en bicra en Mais si j'avais su, j'aurais un peu plus bicra ma mère même. Monsieur. Vous avez dit, je suis votre ami. Bienvenue dans l'émission. Ouais, très bien. Alors, comme vous voulez, monsieur. Ah. Il a payé instant. J'ai pile 10 pour pouvoir vous contrôler. Il a fait exprès. Moi je pense que c'est dommage pour toi d'avoir remonté toute la game et perdre là-dessus. Il est en full contre. Moi je pense que c'est dommage pour toi. Il a au moins 4 hydromel ce mec. Après bon Alors, on va pas se mentir que quand on regarde votre stack vous avez perdu là. Je fais des pommes. Je vais pas être méchant. Je fais des pommes. Mais vous êtes pire que moi hein, donc, je fais les pommes. Les pommes sont déjà faites par monsieur. Vous en avez 5. Vous êtes toujours en retard. Qu'allons-nous faire ? En vrai, j'avoue, il y a une pomme un peu qui brille un peu plus. Mais je peux rien vous donner, sinon j'ai full perdu. Donc. Donnez-moi 3 et je vous l'accepte. C'est même plus tu vas me laisser passer comme ça. 3, tu peux pas prendre le risque. Tu peux pas prendre le risque. 3. T'es obligé. Je m'en branle. Tu peux. Regarde-moi. Tu peux pas prendre le risque. T'es obligé de me laisser passer. Parce que si tu prends le risque et que tu perds sur mes 5 pommes, t'es baisé, gros. T'es full baisé. Donc tu vas pas dire que Sky est pas non plus pour t'es ma pute, en tête, il a dit. T'es ma pute. Je pense que je vais pas te dire que j'ai pas grand chose à perdre. Moi je pense pas comme toi. Moi je pense que t'as bien remonté et t'es là. Ouais, je peux gagner, mais je peux pas perdre. Ok, je compte mes points et je vois en fonction. Ah, j'avoue, putain. Ok, faut que je les cale là. Du coup, les contrebandes, je les. Attends. Je vais Zelou. Il faut qu'il finisse son tour. C'est bon. De toute façon, il a que des verres, Bolos. Oui, j'ai que des verres. Un peu là. Moi aussi, je peux caler là. Moi, j'ai avec des verres, moi. Non. Oui, j'en ai une. Peut-être, un peu tôt. Menteur. Là, c'est à toi d'être le sheriff. Du coup, phase de marché, les amis. Tac, tac, tac. Ça, qu'est-ce que vous faites ? Ah, vous avez. Ah oui, vous complétez parce que moi, j'ai pas joué. Ouais, c'est ça. T'es sheriff. Attends, c'est qui le dernier tour ? Ah oui, c'est moi le chef. C'est moi le dernier sheriff. Ok. Ah oui, c'était le premier isolé, effectivement. Je pose un poulet. Je fais et ça. Enfin, je prends ça. Vous avez déjà pris vos cartes, là ? Enfin, je peux m'en remettre à 6. Ouais. Hein. Ok. These spermatoes. C'est bon pour moi. Attends, t'as rien shuffle ? Si, j'ai shuffle. J'ai mis. T'as pris ça, quoi ? Et j'ai pris les deux fromtons qui étaient là. C'est à toi. Ah, d'accord, ok. I see. Bon, ok, Google s'est activé à cause du rire de Zulu. Ok, Google. Ok, Google ! Monsieur Zulu. Est-ce que ça va marcher ? Ok, Google. T'es enculé. Non, bah ça marche. Ouais, un peu. Vas-y, donc, dis-le. Ok, Google. Et non, alors que moi. Ok, Google. Bam.
Il reconnaît ma voice. Ça me dégoûte. Quel âge a Zankyo le streamer? Zankyo a 47 ans. Zankyo le, le fromage. Ah. Ok, à moi, j'en jette. À votre service. Jette 4. Oh là là. Ah ouais. Ça défausse un max. Dans le, je pense qu'il est, il est en strat contreband, mais. Voilà, ouais, regarde, il a un tas, frère. Il est en strat contreband, lui. Hein. En tout cas, il a 8 contrebandes, je crois. J'avoue qu'il en a fait passer. Hein. Mais c'est le seul, en fait. Ah non, toi, tu me diras, t'en as. Oui. Zou, il y en a pas. Ah, chier. Je m'étais à du coup. T'as pris quoi, là, Zank? J'ai pris un poulet là et un truc là. Ok. Quel âge a Zankyo? Tout le monde est bon, là? Non, non, attends. Zankyo, il dit. Zankyo. À votre Zankyo. C'est pas mal. Zankyo. Zankyo. Zankyo, mec. Là, il dit don't you, thank you. Thank you, thank you. Okay. Quel âge a Xari, le c'est streamer bon. Attends, je jette ça. Oh merde, ce que je viens de voir. L'erreur. C'est bon. Zul. De toute façon, tu es à fond de me contrôler, donc j'ai même rien à dire. Eh bien, je vais pas te contrôler parce que moi, pour moi, là, t'as compris ta leçon, bouffon. Il est trop fort. J'ai 5 fromages. Il est trop fort. Quel bouffon. Ah mais... Allez, oh, paye. J'avais même 6 fromages. Pardon. j'en enlève un, c'est juste pour la blague. T'as même 6 fromages. J'ai que des fromages. Mais il est une strat trop fou. Tu payes 10. Ah la strat fou. Qu'est-ce qu'il me donne ça? Ouais, tu me payes 10. Bah je t'en fous pas ça. Ça fait mal hein. Ok, Skyheart. Par contre, j'arrive à foutre. Moi j'ai 3 pains. Non, non. Dans la merde, je pense. Non, mais arrête, ferme-la. Bah c'est, t'as dit quoi? 3 pains. C'est bizarre, pourquoi tu veux des pains? Ah oui, pour être deuxième en pain. Pour être deuxième. Ouais, ouais, ça peut être. Une toi, je pense que je peux pas être premier, quoi. Pas te mentir que. Avec j'ai du pain de seigle en plus. En gros, je suis premier en poulet et je vais tout. Ah ouais, t'es premier en poulet avec 4, c'est pas mal. Je pense pas que tu mytho. Pour le coup, les poulets, c'est worse. Je pense qu'il y avait que ce con là. Mais en vrai de vrai, par contre, au dernier tour, s'il y a un mec qui met un poulet, il est deuxième hein, quand même, au cas où. Après, prends 5. Hein, avec un poulet. Fait un petit poule. Ouais. J'avoue que les poulets. Un poulet rentable, quoi. Non, vas-y, tu passes, Kayan. Tu passes. Ok, ok. Bon, il a mis un peu de tout. J'avais un poulet. Il avait un poulet, un pain, une contrebande. C'est ça, un peu de pas tout. Pas mal, pas mal. Je pense qu'il a un peu de tout. Zulu, du coup, tu le contrôles pas? Non, Zulu, je pense qu'il a compris. Oh là, c'est gentil ça. Ouais, il a pas il ça, c'est un vécu. Mauvais côté. C'était de l'hydromène, ça, monsieur. Ça, c'est du pain de contrebande, ça. 4 contrebandes. Non, saleté, va. Il y en a avec deux, bien joué. Et il comprend pas, lui. Allez, messieurs, c'est à vous, refil et tout. C'est le dernier tour. Last turn. C'est maintenant qu'il faut gagner ou perdre. Bah, idéalement, gagner, du coup. Moi, je vais compter mes points, voir si c'est worse pour moi de contrôler. Pardon, Zul. Non mais toi t'es. Il est pas mal ce petit jeu en vrai. Enfin en tout cas. C'est... Bah oui, c'est obligé que ça allait te plaire. Oui c'est sympa. Mais c'est pour ça que c'est bien. Okay. En vrai moi je l'ai chez moi et c'est une valeur sûre. C'est pour ça que je t'ai dit quand que c'était bien. Qui... Bien. Ouais, non sympa. Ouais. Sympa toche. Ouais. Flash de market ouais. C'est d'abord à Zulu de faire la phase de Marseille. Question les gars, mais c'est quoi les jeux du Colisée ce soir? Smash Head, Disjam je crois, et Smash mais avec un mode, pas le mode normal quoi. Ok. Mais il y a des places ou c'est genre full de chez full et... Mais oui je crois qu'il y a des places. Hein. Trop cool. Je pense hein. J'ai grave faut demander à Romain ou... Trop chaud, je suis trop chaud. Je sais pas quoi... Il est j'ai essayé de réfléchir à des concepts pour la rentrée. Je vous dirai ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok à moi. Attends toi. Attends, il a toujours pas fait son marché l'autre là. Allez là. Xari, à moi. Un. C'est fini. Alors tu te sépares de quoi mon ami? Oh, de bons trucs quoi. De bons trucs. Non mais. Les teams ont été dévoilés? Ah bon? Ah. Bah va ça, de quoi quand même demander hein. Ouais. Non je crois que ça a été tweet ouais. Je vais totalement partir. Non mais c'est vrai en plus. Ah ouais? Ouais, je crois que ça a été tout. Je sais pas. J'ai absolument pas suivi. Après, on s'en fout que ça soit tweeté ou pas. S'il y a des gens qui veulent venir. Ouais. Attends. Je réfléchis. Oh, il y a peut-être moyen de faire un truc là. Je me besace ma mère. Ok. Moi, j'ai 4, les gars. Moi, je suis déjà en buzz. Je suis en full buzz ace. Ouais, j'aimerais bien la faire. Attends, désolé, j'ai pas suivi. Toi, t'as lâché 3 et t'as pris. T'as mis quoi? J'ai pris 3 trucs au milieu. Moi, j'ai lâché 5. Okay. Bon. Toi, t'as lâché quoi? Juste, dis-moi juste que t'as lâché. C'est 2 là. Ouais. Ah. Et ces 3 là?
et ces trois-là. Ok. Et j'ai pris... Pas 5 du coup. J'ai pris ça. Ok. Qui était dans cet ordre-là. Le point d'abord, deux fromages en dessous. Et je prends deux cartes au centre. Ok, à toi. Parfait. La phase de marche ? Non, moi je... Oh, t'as déjà mis dans ta besace ? Moi je suis en besace. Bah c'est quoi alors ? De quoi ? T'as quoi dans ta besace ? Deux fromages, moi. C'est tout ? Ouais. Bah t'es gros, en même temps il reste plus grand chose. Mais tu mets pas de contrebande, toi, monsieur ? Non. T'es sûr ? Mm-hmm. Donne-moi ta buzz. Zank, t'es sûr que c'est que deux frometons, ça ? C'est deux frometons. Il est mort de rire. Il est mort de rire, l'enfoiré. C'est deux frometons. Deux gros frometons, ouais. C'est sûr, deux frometons. Tu me payes quoi ? Il y a un frometon qui est un peu... Ouais. Bah fais gaffe, parce que si j'ouvre, là, il passe pas. Hein. C'est un petit frometon, je peux vous filer peut-être quelque chose. Ouais, bah dites-moi. Je sais pas, un petit deux balles. Non. Non, j'ai pas mis... J'ai pas encore mis... Trois balles, trois balles. Franchement, il vaut rien. C'est un frometon qui vaut 3. Il y a que deux cartes, pour de vrai. Bah oui, mais c'est pour ça. C'est un frometon qui vaut 3, je te paye 2. Non, c'est un frometon qui vaut 3 fromages. Oui. Il vaut pas 3. Tu veux les deux ? 5. Oh, 5. Bah, 5, t'es obligé, gros, t'as 2 contrebandes. Tiens, plus ça. Oh. T'as 2 contrebandes, frère. Allez, ah, je te le laisse parce que c'est ta première. Il y avait qu'une seule contrebande. Bah, vas-y, ouvre, hein, tu peux y aller, je vais pas te. Non, j'ai celle-là qui. Et en plus, je sais pas si c'est worse, mais je pense que si, parce que ça, tu m'as dit qu'en fin de partie, de toute façon, ça. Même si c'est là, ça sera ça, contrat, c'est une quoi. Des meilleures contrebandes parce qu'en fait, elle vaut 9. Ouais, elle fait 9 et elle donne 3 en plus. Elle vaut 3 ouais, c'est vraiment, ça, vraiment. C'est pour ça que je voulais la passer. Ça, c'est quoi. La meilleure. Allez, elle est insane. J'avais un vrai frometon. Elle est insane. Ok. Ouais, j'étais en mode putain, 9. Elle est insane. Zulu ? Yes ? C'est le truc le plus rentable. J'ai 3 poulets. 3 poulets, hein, c'est possible hein, que tu vas jouer les poules. Bah ouais, pour essayer d'être deuxième. 9, justement. C'est genre insane. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Non, il y en a genre. Bonne strat. C'est vrai que c'est une bonne strat. Allez, donne-moi ça. Il attends, a fait quoi, lui? Attends. Parce qu'en vrai, 3 poulets, c'est que 3 cartes. Attends. Xari. Ouais. T'es en concurrence avec qui ici sur ce. Oui, avec Sky, c'est pour ça. Donne-moi des thunes. Ok, il y a 2 poulets. Et il y a un pain. Je suis pas pouvoir... sûr que je sois devant toi. Si, 100%. Xari, il y a 2 poulets. Explique. Et un pain. D'accord ? J'ai des pains qui comptent plus là. D'accord ? Donc je veux baiser Sky. Au niveau des. Ouais. Au niveau des pains. Du coup, ça te met bien si tu me contrôles pas. Il n'y a pas de contrebande. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Il va falloir que tu payes. En fait, lui, ce qu'il veut, et... c'est un minimum quoi. En fait, le truc, je vais enlever des points à Sky. Ouais. Donc, bah, donne-moi genre 2, 3. Allez, mais non, si je fais 3. Donne-moi ta petite monnaie là. Non, et j'accepte. Non, mais attends. Ta petite monnaie. Mais non, mais attends. Tu vas être combien sur franchement, les. Franchement, 2. Je te donne 2. Y'a pas de contrebande. Y'a pas de contrebande. Le tchat, vous pensez qu'il a une contrebande ou non, j'ai pas de contrebande. Moi, je pense qu'il est missile dedans. non. Pour moi, y'a 2 hydrogènes ou quoi. Y'a 2 poulets. Y'a 2 poulets et un pain. Je veux juste gratter Sky. Donne-moi juste 3 pièces. 3 ou les 2. Mais non, gros. Mais 3 ou les 2, c'est rien. Donc c'est pour 3, moi, il c'est est blindé, gros. Mais une pomme, c'est. Du pain. Du pain, ça vaut 3, gros. Mais justement. Mais justement, ton truc tient pas la route, gros. Mais oui. De quoi ? Non, mais déjà, là, je te fais une fleur. Mais oui, mais je suis pas certain de te dépasser, quoi. Mais je me dis que j'ai des chances. Oui, mais de base, ça veut dire que ça te coûtera rien. Au pire, tu tentes de le dépasser, et voilà. Et au pire, ça te coûtera rien, puisque ça vaut 3 le pain. Donc, c'est 3 ou c'est rien ? Donne voilà. Ta petite monnaie, bouffon. Donne ta monnaie, ça le fond bouffe. Hein, le fond boule. Pas menti, hein. Bah, mais je savais que tu mentais pas, mais moi, j'ai pas menti sur le fait que tu. Il s'en fout que tu mentes ou pas, il veut du cash. 4 fromages. Putain, c'est possible en plus, le chien. Nah. Mais je suis quand même un peu déçu parce que comme avec le triple fromage, je voulais être deuxième. En vrai, je pense que j'ai assez d'argent pour pas le contrôle. 4 fromages, ça me coûterait 8. Est-ce qu'il a pas mis une petite contrebande quand même dans le tas, le petit Sky ? Je pense qu'il y a l'arbalète de tout à l'heure, non ? Il est pas à toi. Je lui donne 8 sinon, et une contrebande, ça vaut à peu près 7. Il y a quand même des points à Sky, à Skyourt. Hein. Elle est pas mal, hein ? Ouais, je pense que je vais contrôler, Sky. T'as un dernier mot ? Non. Non. Attention. Il est en full from. Oh, il y a un petit pain quand même. Ça me casse bien les couilles. Ça me casse bien les couilles. Il a tenté de faire son meilleur nom, pain, mais... Il y a un petit pain quand même. T'as tenté mon meilleur nom, gros. Ouais, j'ai bien vu, mais... Je suis bien déçu. Bon, bah voilà, messieurs. Alors, on commence d'abord par les rois, non ? Je crois. Vas-y, ouais. Alors, qui est roi des pommes ? Je pense. Ah ouais, mais je sais pas. Roule en a beaucoup ouais. Aussi. Gros. Regardez vos. Ouais, sortez les contrebandes. Regardez les contrebandes des. Qui donnent des pommes ? Ouais. Moi, j'ai. Moi, je vais mettre tout le monde d'accord parce que j'ai un truc qui vaut 3 poulets. Désolé. Moi, j'ai rien passé en. Ah ouais. Quel bâtard !
De quoi Dans quel match? C'est un poulet niveau 3, du coup je lui passe devant. Ah le bâtard. Okay, quand il a dit, oh, j'ai que deux poulets, hein, je fais, oh nice, intéressant. Ça c'était, en plus, ça c'était la contrebande du début là où j'ai mis 5 contrebandes. Il est tellement worth it. Non, j'en ai mis. En plus, il vaut 8. Il vaut 8 plus 5 quoi, du coup, c'est quand même pas mal, 13 quoi. C'est le meilleur. Voilà, j'ai 10 pommes. Mais le plus worth, je crois que c'est la carte de Zonk, hein. Ouais. La carte du fromage. Ouais, elle lui fait 9 plus et 10, après 3 19. Enfin. Ce qui passe deuxième. Ouais. Elle lui file 19. Pas mal. Après, bon, putain, alors, roi des pommes. En vrai, on est d'accord que c'est Zonk. Moi, j'ai 10 pommes au total. Moi, j'ai 0. Oh non, il te base. Il me baise. 12. Il te baise. Ah ouais, parce qu'il a sa carte. Attends. 1, 2, 3, 4, 8. Qu'on compte les mecs. Je suis à 20, gros. Ah, non. Et 1, 2, 3. Ok, les gars, ok. Allez, 20 pour toi, du coup. Yes. Et 10 pour toi. Okay. Parce que tu es la reine. Bien joué à toi. D'ailleurs, le sexisme. Oh, reine la reine, elle gagne moins. Fromage. Alors, fromage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 fromages. 3 fromages. Non. J'ai 5. Ah, 3 plus ça, là 6. Je te déteste. Ouais, non, c'est ça vaut 3 ça. 3, ah, c'est juste 3, ça me fait 3 plus 3. Ouais. Ouais, ok, bah 6. T'es trop bien. Du coup, ça te baise. Ça le baise. Ouais, ça me baise de ouf. Putain, grâce à la carte. Ouais. Bien joué, monsieur. T'as rien compris en fait. Oui. Alors 3 et toi. Bah, je plaisante. Ouais, il a payé 5, j'avoue, j'étais sympa. Mais 19, cette carte, elle t'a rapporté, gros. Ah, celle-là est insane. Ouais, j'avoue. De ouf. C'est la seule. Roi des poulets. Parce qu'en fait, la soie, ah là, c'est, tout, pour le coup, c'est pas... moi, incontestablement, je pense. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai aussi un coq qui donne 3 en fait. Ah ouais, bâtard. Et moi, avec une carte, je suis deuxième. C'est worse. T'as réchauffé le poulet là. Merci. Et moi, en vrai, les poulets, c'est pas les insane. Les poulets, c'est 10 quoi. Ouais, mais je veux dire, lui avec une carte, il. Ah oui, non, mais moi, lui, c'est en plus, j'avais oublié. J'ai regardé mes contre-montres juste avant le dernier tour. J'ai fait, ah yes. Bah, MVP le fromage comme ça, et deuxième MVP celui-là. Et le pain, bah, je crois que je suis premier. Oui, je crois, ouais. J'ai un pain, frère. 7, 8, 9. Il a pris tout le pain. Il m'a validé. 9, il a 6 quand même. Ah, j'ai 6, t'as combien 6-2. Oh, je viens de te ça, gratter. C'est le truc que tu m'as baisé à la fin là, c'est le contrôle. Je viens de gratter 5 petits points. Alors, du coup, 5 et 5, et moi, 15. Bien joué, bien joué. Je te hais. Putain. Donc là, maintenant. Putain, j'ai cru que ça allait passer ma négo à la fin là où je. Ouais, bah non, absolument pas. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous comptez vos points, vos pièces. Et après, ça par exemple, ça m'a servi à rien du coup. Si, ça donne 16 ça. J'ai fini. Ça m'a donné 16. Ouais. Donc, en gros, là, tu comptes toutes tes pièces. Et après, tu comptes toutes les pièces là au-dessus. Ouais. Je compte toutes mes pièces ici, non? Ouais, et ça te va te faire les points là. Tu comptes ta thune, après tu comptes. Compte pas ce que t'avais en main au dernier tour. Ouais, au dernier tour, ce que t'as en main, ça sert à rien. Ça, je décale. Hein. Oh, sinon, je le rajoute, non? J'avais pas beaucoup en plus. C'est. Alors. Moi, je fais je conseille de prendre ton tel, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'additions, entre guillemets. Mais non, tu fais l'état de 10 et tu peux pas te tromper. Oui, mais ça va juste plus vite de faire 19 fois le nombre que c'est, quoi. Là. Bon, là, c'est le moment de chiant de l'émission. Hein. Vous pouvez là, je suis à 109, vous, bien sûr. Ça. Bon, moi, je suis focus, j'avoue. Ouais, je vais prendre mon tel. Ah, t'as 109 pièces, quand même. Ouais. Pas mal, hein. Ah ouais, ouais. Bah ouais, il a fait un tour, te rappelles pas, où il a couru tout. Putain, gagné. Mais gros, attends, merde, tu oublies que moi, j'avais, du coup. Il a 109 pièces. Attends, putain, mais il marcelle, quoi. Sans problème, c'est un livreur. Ah ouais. Ouais, j'ai commandé... moi, j'aime pas me commander, parce que j'ai toujours peur de pas être livré, genre, ça me casse les couilles. Après tu comptes quoi, Xav? Là tu comptes toutes mes pommes en passant de ça là. Donc en gros là si t'as genre 10 pommes. Ça c'est 2. Ça fait 2 pommes, ça fait 20 si t'as 10 pommes tu vois. Ok, bah 20 du coup. T'as 10 pommes? Ouais je crois que c'est ce qu'on avait dit ouais je crois. Mais putain mais... Ouais ça fait 20 ouais. Je suis pas disponible. Rappelez dans 5 minutes s'il vous plaît messieurs. Merci. La petite presse. Moi j'ai 119. Ferme ta gueule bâtard. J'ai 119. Mais Marcel gros, Jean qui est tellement bien. 15, 109 c'est insane hein. Ouais. 109 c'est insane. Pas une blague. 6. J'ai 119 moi. J'ai 212. On refait pas de partie hein. Non. Okay. Moi je vais juste devoir bouger. Je suis désolé. Okay. Je dois aller chercher un papier, ça ferme à 17h du coup. Ça marche. Non mais j'ai 119. Tout trace ta main. J'ai 212. Ce qui est pas mal. 212 ouais. J'avais pas le thune aussi parce que. Y a attends, en jetons? En tout. Ah en bah tout. Ah ouais. Bah oui, 212 en jetons, gros, ça va aussi. Là, j'ai fait une belle partie là. Surtout que j'ai pas fait une. Tu sais, j'ai fait une partie sans. J'ai zéro pomme, zéro non, poulet. Non, vraiment, y avait pas de. Ah putain, j'ai fait la main. Attends. J'avais dit combien? 109? J'ai appuyé sur une mauvaise touche. Attends. Oh, je crois que t'as gagné, anyway. Je crois 100, que je suis à 127. Je suis à 180 et quelques, je crois. J'ai fermé, mais je crois que j'étais à 180 avant de fermer. Bon, 109 plus 20. Après, en vrai. Je suis tellement behind, quoi. 8.
Voilà, j'ai 60, c'est insane. Hein. C'est insane. En fait, j'ai 19. Je crois que c'est le record. Hein. Ouais, en vrai, 200 points de plus, c'est chaud. C'est le record. Ouais. Mais là, j'ai 154. En vrai, j'ai fait une partie où j'ai pas eu de tour vraiment horrible, où j'ai rien passé. À chaque fois, je suis passé, j'ai payé le minimum. Le premier tour avec Zulu m'a mis tellement bien, gros, j'ai passé 5 contrebandes pour 4. Il m'a rien régalé. Comment je fais, hein? Et c'est la première fois que j'utilise la calculette sur ce truc. T'en as combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 19 x 3. Non, j'ai fait 164, moi. En vrai, c'est pas mal déjà. Et toi, Sky? Mec, c'est insane, hein? Ouais, c'est pas mal. 130 et quelque chose. Ah, donc t'es deuxième. Et Zulu dernier. Bien joué, bien joué. Oh, t'as été trop chaud. En fait, tu m'as laissé bien passer au début, ça m'a mis bien, tu sais, quand mais tu m'as laissé un round, tu sais, le petit round, je crois, j'avais pris beaucoup. Je sais plus. Non, ça, c'est, mais en vrai, j'ai bien kiffé, hein? T'as bien marrant. C'est marrant. C'est pas très compliqué, c'est en fait. On a un de plus, parce que du coup, il y a encore un peu plus, mais bon, là, c'est typiquement le truc qui est chiant, parce que là, maintenant, tout est stacké, donc faut vraiment mélanger de ouf parce que là, c'est le problème mec, du le mec jeu, qui vient au fait, bah j'ai 5 fromages. C'est ça. Il faut j'ai piogé 5 cartes juste ici. Faut vraiment bien mélanger à chaque fois que vous relancez le jeu parce que c'est relou. Mais voilà. Après j'avais quoi Alors l'émission se finit à quelle heure? À 16h? À 17h? Je crois ça. L'émission c'est 17h. Je crois ça finit. Il nous reste 9 minutes. Est-ce qu'on peut faire un truc? Je réfléchis. Attends, je vais voir si après tu peux faire une FAQ. Moi j'ai un mini jeu si vous voulez, le petit jeu avec les perles. Ça dure vraiment 5 minutes. Bah ouais, bah vas-y, vas-y go. On peut jouer à 3 si vous voulez. Vas-y go. Je vous laisse mettre juste les cartes. Je range le jeu, t'inquiète. J'arrive. S'en fout de l'ordre. Ou... Tu veux les. En fait, il faut juste essayer de split un peu les pains et tout, tu vois. Ouais. Genre. Juste pour une question de rejouabilité pour la prochaine fois. Parce que c'est ça qui crée la RNG quand un mec va piquer. Bah ouais, il va prendre 6 cartes, il va prendre une fois. Mais du coup, il va prendre 3 fois là et 3 fois là. Donc en gros, il y a souvent. Après, il y avait tellement de stuff là après qui était planqué dans les. Mais ça, moi, j'ai pas du tout joué un seul poulet, tu vois. Ouais, moi non plus, mais j'en ai... voir après, les poulets, le truc, c'est que t'en as moins aussi. Ouais, il y en a très peu. Mais l'avantage des poulets, c'est que s'il y a personne qui joue les poulets, avec peu de poulets, t'es vite premier. Bah là, c'était trop. Mais des poulets, Jiria joue souvent les poulets en vrai. Oui, il joue très souvent. Parce que. Il aime bien les poulets. Il kiffe les poulets, ouais. En vrai, c'est quand même. C'est bien, c'est un jeu halal en plus. Enfin, halal. C'est sûr. Oh, mais comment c'est full stack. Ouais, mais c'est pas grave. Après, on remélange. Non, mais on va remélanger à chaque fois qu'on rejoue, tu sais, on mélange comme ça, donc. Ouais. T'inquiète. Hein. Non, mais c'est un bon jeu, halal, franchement. Il n'y a pas de cochon, il n'y a pas de jambon. Lien du sang, ouais, je l'ai, les gars. Mais j'ai l'édition 1 en version un peu moche. Mais ouais, là, il est là-bas, là. En fait, j'attendais. Pour être honnête, avec vous, j'attendais de sortir la prochaine fois, l'une des fois, mais en fait, on est en ce moment très peu nombreux. Et des fois, on est 6, mais c'est un peu random, tu vois. Là, on était 3 sans Ankyo, quoi. Et 3 sans Ankyo, c'est chaud. Heureusement, il y avait les Ankyo, quoi. Heureusement qu'il y avait les Ankyo, parce que 3, c'est quand même. Il fallait me chauffer, hein, parce que j'avoue que moi, de base. Ouais, bah, je sais. Bah, c'est mais pas merci, que j'aime pas. Merci de dévaler, mais en vrai, les trucs comme ça me gêne pas. Après, quand vous allez vraiment sur les trucs tryhard, vous le savez. Après, c'est pas que c'est. Cette émission-là, c'est pas ça. Ouais, cette émission-là, l'idéal, c'est de faire des loups-garous et des Secret Hitler, sauf que du coup, quand on est 5, bah c'est chaud. Ouais, Secret Hitler, quand on l'avait fait, c'était cool, quand on l'avait fait. Après, ce jeu est bien parce qu'il est facile à comprendre et il est marrant, quoi. Oui, et puis surtout, il dépanne parce qu'il joue pas beaucoup, quoi. C'est ça ton jeu? C'est surtout l'avantage, quoi. L'auberge des pirates. Ok, vas-y, balance. Je connais, j'ai pas joué à ça. C'est vraiment un jeu ultra, ultra simple. Oh, c'est des parties de 3 minutes. Le but, c'est juste de. Ah, attends, il y a juste un. Alors, attends, il y a ça aussi. 1 x 3, ok. L'auberge du pirate, on a déjà joué sur le stream une fois où il nous restait genre 15 minutes. Bon, là, il nous reste vraiment 5 minutes. Mais ça dure vraiment 5 minutes. Vas-y. Bon, le jeu, c'est un jeu de cartes pas basique, mais c'est un jeu de cartes où en gros, il y a des nombres de 1 à 10. Ouais. Sachant qu'il y a une seule carte 1, 2 cartes 2, 3 cartes 3, et du coup, 8 cartes 8, 9 cartes 9, 10 cartes 10. Donc la proba, vous avez compris, ouais. Il y a plus de 10 et il y a qu'une seule carte 1. Donc alors, le but du jeu, c'est un battle royal en gros, c'est d'être le dernier survivant. Et comment tu perds et ben justement, c'est un jeu où il faut pas faire de paire, justement. Donc c'est-à-dire, je vais vous expliquer très rapidement. Okay. Les règles du jeu tiennent vraiment là-dessus. Hein. T'inquiète pas, oui. Donc c'est vraiment. C'est le petit truc, c'est que t'es dans le train tranquille. De base, on a 3 cartes. Okay. Voilà, on va faire une partie à découvert juste pour voir. Okay. Donc de base, au tout début, on doit mettre une carte face cachée pour savoir qui va commencer. Donc celui qui aura la plus faible valeur va commencer, sachant que commencer, c'est pas forcément un avantage. Tu t'en fous. Enfin, elle est déposée la carte. Ça dépend. Non, elle est devant toi et elle sera dans ta zone de jeu. En gros, t'as deux zones, c'est ta main et ta zone de jeu. D'accord. Donc par exemple là, imaginons, je mets cette carte. Vas-y, toi tu mets celle-là. Et toi tu mets celle-là. On retourne. Donc on retourne tous en même temps. Voilà. Hop. Donc là 8. Bon, on s'en fout. On va dire que c'est moi qui commence. Et alors. Ah bravo. Non mais on. Mais c'est déjà fait exprès, ouais. Et en gros, on a 3 actions normalement. On a 3 actions possibles à chaque tour. Une seule action possible. La première action, c'est attaquer. Donc en gros, ça veut dire que tu poses une carte de ta main chez l'adversaire. T'as jamais le droit de poser des cartes dans ton camp.
Donc okay. C'est toujours chez donc, le mec quoi. Attaquer, ça veut dire par exemple là, par exemple j'ai un 10, mm-hmm. Bah, je vais le mettre chez toi parce que t'en as pas encore. Si jamais t'as déjà j'ai un déjà 10, joué le jeu, je crois. Si ouais, ça se peut. Crois, si jamais t'as déjà un 10, bah, j'ai pas le droit de poser. Ou alors si je le pose, j'ai perdu. Donc c'est très con. La deuxième option, c'est défier. Donc c'est-à-dire de je dis, je pense que t'as une paire. La paire, c'est soit bon sur le board, mais de toute façon tu la vois. Mais ça peut être une paire aussi en main. C'est-à-dire que là, Sky, techniquement, il a une paire parce qu'il a 2-8. Donc si jamais je te défie, je dis, je pense que t'as une paire, tu dois montrer ta main. Je la regarde, si en effet t'as une paire, bah je la dévoile et t'as perdu. Si jamais t'as pas de paire, c'est moi qui ai perdu et je suis éliminé. Donc c'est pour ça que t'as très très vite. Il y a qu'une seule vie et ça va ouais, très vite. Ça va vraiment. Il y a aussi si t'as une paire servie en main, si t'as par exemple là un 9 et là t'as 2-8, t'as perdu aussi. Donc il faut faire attention. Et des fois t'es bloqué, c'est-à-dire imaginons là dans le schéma, il y a ça sur le board. Et que là, Sky, il y a un 8, bah, il est baisé. Ah, bah oui, il peut pas poser quoi. Il peut pas le poser, ouais, il est obligé d'être dans la main, donc il faut qu'il tue les autres. Il faut qu'il arrive avant. À le garder sans. Il faut que je défie quoi. Bon, ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que tu chattes quoi. Ah, je crois que j'avais peut-être déjà fait. Et il y a un troisième truc, okay. En gros, il y a la pioche au milieu. Et en gros, t'as le droit, par exemple, imagine, t'as plus de cartes, le jeu est pas fini. En gros, quand il y a plus de cartes, c'est soit tu pioches pour toi, et tu dis fin de tour. Mais du coup, tu peux. Si par exemple t'as un 9, un 10 et tout, que tu pioches, bah c'est chiant parce que tu vas probablement piocher un 9, un 10. Redis-moi ce que moi je disais. Quand t'as genre pas de carte, tu t'es pas obligé de le faire quand t'as pas de carte, mais quand t'as pas de carte, du coup c'est obligatoire. Choix, ouais. Tu dois piocher et tu passes la main à ton voisin. Donc là, et si par exemple t'as plein de cartes devant, bah c'est probable que du coup tu pioches un truc qui te fasse une paire et du coup tu perds. Et t'as aussi le droit d'attaquer quelqu'un au aléatoire. Mais si tu pioches une carte et que t'as une paire, personne te dévie, c'est ok. Oui, personne te dévie. Mais si par exemple t'as 5 cartes et que tu fais ça, bon, le prochain il va sûrement te défier et te baiser. Quoi. Et t'as aussi le droit juste de poser la carte sur quelqu'un. Par exemple, imagine toi t'as beaucoup beaucoup de cartes, mais il y a un adversaire qui a genre que 2 cartes. Bah, c'est plus safe que plutôt de piocher de faire ça. Par contre, si tu fais une paire en face, là tu perds. Voilà, je crois qu'il doit y avoir des variantes de jeu là. Peut-être. Parce que moi, il n'y avait pas vite. Le truc de poser, mais on va faire une game et vous allez vite comprendre. Je pense, les gars, c'était pas un livreur qui m'a appelé tout à l'heure. Parce que, genre, en général, les livreurs, ils sont un peu agacés parce qu'ils sont sous pression, tu vois. Et il m'a parlé à peu près normalement, mais je sais pas du coup qui c'est quoi. Voilà. Je connais pas le numéro. C'est juste pour vous présenter le jeu. Je pense que c'était pas le livreur. Je pense que c'est ton Raïf qui est venu. Alors, évidemment, juste petit strat, si vous avez une carte qui est assez faible, le mieux c'est de la garder dans la main pour faire croire que. Voilà, machin. Donc voilà, hop, vous mettez chacun une carte. On rappelle que c'est celui qui a la plus petite valeur qui va commencer. Sachant que quand t'attaques quelqu'un, c'est à lui de jouer. Donc par exemple, si tu m'attaques moi, ça sera à moi de jouer et on passe Zankyo. Ah ouais? Mais au bout d'un moment, t'inquiète, ça va revenir à Zank, y a pas de soucis. Mais du coup, donc ça revient à Zank justement quand tu pioches. Non parce qu'au bout d'un moment tu vas voir quand t'auras plus de cartes en fait tu peux pas attaquer. Enfin si tu m'attaques c'est à moi de jouer. Après ce sera re à toi mais au bout d'un moment on va plus avoir de cartes pour s'attaquer. Donc ça va quand même être à lui de jouer. Ok, ça roule. Moi j'ai mis un 10, un 9 et toi t'as mis un 5. Donc là bah, c'est Zank qui choisit. Un 5 okay. Ouais. Bah il peut, après c'est une strat, ça, il peut aussi avoir 2-5. C'est peu probable mais il peut avoir 2-5 et vouloir directement s'en débarrasser. Okay, donc là c'est à toi de jouer. Et c'est vrai, oui c'est vrai. Donc, donc là c'est soit tu poses une carte de ta main, soit tu pioches, soit... Ok, en vrai c'est cool. J'ai pas le droit de m'auto... Non, t'as pas le droit de poser des cartes dans ta zone, quelle qu'elle soit. En vrai, je trouve ça plutôt cool. Ouais, en vrai, ce qui est bien, c'est que les parties sont très rapides. Donc, par contre, c'était pas du tout à toi, c'était à moi. Putain, je suis désolé, j'ai vu la carte. Bah, juste fait comme ça. C'était un 7. C'est pas égalité. Donc, tu vois, là, il avait double 5. Donc, tu m'avais annoncé. Bon, là, tu pouvais pas, mais. Donc, là, moi, j'aurais pu m'annoncer directement en paire, quoi. Je vais piocher, du coup, c'est à toi. Parce que j'ai juste pioché. C'est une seule action, que ce soit pioche ou autre ou attaque. Pour toi, c'est rentable, tu penses, de piocher? Bah, ça dépend de ma main. Ça se trouve, j'ai un 2 et un 1, et du coup, c'est rentable, tu vois. Ok, à toi. Donc là, c'est soit il pose, soit il pioche. Soit... Ouais, moi je pose, monsieur. Ok, ok. C'est à moi, tu sais quoi, je vais faire ça. Yes. Bah, il a qu'un 5, c'est peu probable. Très peu sachant qu'il y en a deux là. Tu m'as dit que là, c'est de nouveau à moi là. Non, parce que là, c'est pas une attaque. Non, ça fait un. C'est pas une attaque. Ok, c'est juste à toi. Tac. Ouais, donc c'est... là, c'est à moi par contre, puisqu'il m'a attaqué. Mm-hmm. Ok. Je vais faire ça. Du coup, ça va être. Là, c'est à toi. Ça va. Des fois tu peux attaquer comme ça, mais du coup, entre guillemets, c'est pas grave s'il y a un mec à peu de chiffres, parce que du coup, tu peux faire ça sur lui, donc tu vois, c'est... En fait, ouais, tu peux me décaler. En fait, le board, c'est pas trop grave si, voilà. J'entends. Donc là, j'ai 4, 5, 10. Sachant que quand t'as en face de toi 7, 8, 9, 10, t'es mal, quoi. Donc là, tu m'as attaqué encore, ok. Ça commence à être relou. Et en fait, le truc, c'est que c'est cool, ça joue jusqu'à combien? T'as pas envie de... Ça joue jusqu'à 8, je crois. Et bah honnêtement j'aime bien, c'est cool. Non, c'est ok, c'est vraiment cool. Je t'ai attaqué donc c'est à toi. Et là maintenant il a plus trop le choix. Oh, il a retourné sur toi, 10. Attends, je vais juste vérifier. Avec 7, 8, 9 quand même. Hein. J'ai quand même des sacrées couilles. Hein. Je vérifie juste un truc, défier, tac tac tac.
Ah non, mais c'est en fait, c'est comme une attaque. Donc là, c'est à toi de jouer, vu que c'est lui qui t'a posé. C'est une attaque, genre. En gros, quand tu fais ça, c'est comme si c'était une attaque. Donc ça, là, c'est plus à moi de jouer, c'est à toi, du coup. T'as combien de cartes en main, par contre? Une, okay. Ouais. Ok, vas-y. One card. Et là, c'est là, c'est souvent le grid, c'est quand t'as une petite carte en main, t'as pas envie de la poser parce que. Mais si t'es trop deck quand tu pioches de la merde. Ça va. Ça va, du coup. C'est à toi. Et à la fin, tu peux bluffer parce que ça se trouve, j'ai un 10 depuis le début en main. Hein, mais... Non, je pense pas. Ouais, non. Attention, monte pas ta carte, gros. J'ai pas vu. Oui, non, mais parce que sinon, je fais bah, t'as pas de perte. En général, moi, je regarde pas les cartes des gens. Oui, non, mais je parlais à moi plutôt. J'ai des bons réflexes. À toi. La pression. Juste après cette game, il y aura le manga sûr, c'est ça? Je crois, c'est manga. Ouais, je pense que c'est ça. Justement. Ouais. Je te défie. Je te challenge. Je pêchais un 5, casse les couilles. Désolé. J'avais un 3 depuis le début que je gridais. Donc là, j'ai perdu. C'était sûr que t'avais pas un 10. Enfin, non, mais du coup, c'est moi qui récupère la main là? Non, là, c'est à toi de jouer du coup. Ah merde. Parce que bah, là, c'est la pire config parce que je suis à rentrer. Mais ouais, là, c'est à toi de jouer. Donc là, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais un 3, je voulais pas le grid en le posant parce que je voulais le garder pour la fin. J'ai pioché, j'avais un 5, j'étais déçu. Parce qu'en gros, j'avais une bonne proba de piocher quand même un 9 ou un 8, mais. Ou un 7. Okay, je pose ça. À toi. Enculé. Et là, maintenant. Enculé. Là, maintenant, tu dois choisir. Est-ce que tu préfères piocher ou est-ce que tu préfères lui donner? Je vais lui donner 100%. Ouais, ouais, parce qu'il y a un 10. Attends, j'ai quoi? En fait, il t'a pas de 10, donc c'est plus worse de. Il y a pas de 8 non plus, donc. Ouais. Tu peux choper le. Oh, bâtard, le 2. Ok. Là, le mieux pour toi, bah, c'est du coup de piocher, je pense. Hein. Ouais, toi, c'est la merde. Hein. Non, je pense c'est pas. Vraiment tous les chiffres, quoi. En gros, regarde, lui, il a 7, 8, 9, 10. Diras, ouais, et toi, tu peux piocher un 10 ou un 8. Moi, c'est pas worse de truc, je te défie, quoi. Genre. Vas-y, monte ta carte. Je te défie. Et c'est un 10, donc du coup, bah. T'as gagné. Bah, il a gagné. T'as gagné, t'es le boss. Bon, c'est très rapide, mais c'est. C'est rapide, mais c'est de la chatte. C'est que ça. En fait, c'est RNG, mais. C'est un peu de la chatte, un peu du bluff aussi à la fin, parce que tu peux avoir une carte depuis le début. Mmh. Ça peut être le 1, non, mais tu peux la cacher. Une carte de merde. Il y a aussi des trucs un peu. Bon, j'avoue, non, c'est j'ai déjà joué à 8 quand les mecs avaient un peu bu. Bon, back, je crois que les mecs, ils défient instant, ils sont en mode t'as une paire. Le mec a 2-10, il est en mode bah, yes, je joue plus de la game. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça va très très vite. C'est-à-dire que. Je te dis, moi, j'ai une variante de jeu là qui est cool, encore plus rapide, mais c'est vraiment cool. Je crois que ça coûte 10 balles. Pour un petit jeu, je trouve que c'est cool. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Bah, maintenant, tout de suite, c'est Manga Sûr dans quelques minutes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre mensonge et treason. En exactement. Être, peut-être un peu plus. Voilà. C'est ça. Et que vous ciao. Bisous. Un plus, ouais.